mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille. C'est ODAB, multi-industrie. La marque de la qualité. La qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe-carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagnant mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contacte @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 0101. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux.
Le supplément, le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Arissa Ousseau. Très ravi de vous retrouver sur FIM Guinée. Nous sommes le 9 janvier 2023. À la une ce matin, la reprise ce lundi du procès du massacre du 28 septembre. Après plus de deux semaines de pause, l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara va donc pouvoir continuer devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Le procès avait été renvoyé le 21 décembre dernier, alors que l'ancien chef de la junte faisait face aux questions des avocats de la partie civile, des avocats qui ont laissé éclater publiquement avant le renvoi du procès leur divergence autour de la comparution du général Sékouba Konaté. Le représentant de la coalition de la Cour pénale internationale Guinée avait accusé ses collègues de la FIDH, de l'AVIPA et de l'OGDH d'avoir empêché donc la justice guinéenne d'entendre d'autres acteurs dont les noms sont liés aux événements du 28 septembre. C'est notamment le cas de Sékouba Konaté, ce qui avait réconforté, il faut le dire, les avocats de la défense dans leur position. Leurs clients réclament aussi la comparution de l'autre ancien président guinéen de la transition. Une sortie dénoncée par Maître Paul Yomba Kourouma, l'avocat de Toumba Diakité, l'avait trouvée inopportune et insensée, évoquant un règlement de compte de la part de Maître Amidou Barry pour avoir été expulsé de la défense des victimes. Alors, dans quelle atmosphère l'interrogatoire de la partie civile va-t-il se poursuivre ce matin? La défense de l'ex-président réussira-t-elle à obtenir la comparution du général Sékouba Konaté? Entre autres questions que nous posons dans ce studio, derrière à suivre la prise de parole de Maître Pépé Antoine Lama, mais aussi celle de Maître Amadou Odesba. On s'intéressera aussi à la Cour de répression des infractions économiques et financières. Son procureur spécial dit être confronté à des difficultés d'ordre procédural. Ali Touré l'a affirmé jeudi dernier alors que la CRIEF a recevé dans ses locaux le ministre de la Justice. Nous faisons de l'enquête financière et les enquêtes financières vont être collées difficilement aux délais légaux qui sont dans le code de procédure pénale, a expliqué le procureur spécial. Ali Touré n'a donc pas hésité à plaider pour une rallonge de délai au niveau des codes de procédure, ce qui pourrait impacter les cadres donc de l'ancien régime dont la détention se prolonge. C'est notamment le cas de Kassori, Fofana et plusieurs autres du RPG Arc-en-Ciel en prison depuis 8 mois déjà. Nous en parlerons si tout va bien avec Maître Sidiki Bérété. Il est avocat, il fait partie donc des avocats de la défense. À venir également ce matin, la prise de parole du président de l'IGDD, Pépé Francis Abba, également président de la commission politique de l'ANAD et notre invité dans le Art Talk. Avec lui, nous parlerons de la transition, notamment de l'autre dialogue interguinéen envisagé par la CDAO et soutenu par l'ANAD dirigé, l'ANAD de Sélou Dalein Diallo. D'autres sujets vont s'ajouter à tout ceci. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 11h. Bienvenue. FIM FM, indistinctement, irréversiblement, tous jetés en pâture et au final, tous condamnés par la commune renommée. Parce que quelqu'un a décidé qu'il en soit ainsi. Friedrich Nietzsche a eu raison de dire « Méfiez-vous de tous ceux en qui l'instinct de punir est puissant ». FIM FM, rempart contre une justice à deux vitesses. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Merci de nous écouter ici à Conakry sur la 95.3, mais aussi à Kindia à travers Kanyazi, que vous nous écoutez également sur Fraternité FM du côté de Mamou chez Sidi Diallo. Merci aussi de nous écouter à Yagisa, c'est dans la préfecture de Dalaba. Vous nous écoutez également en Haute-Guinée et en région forestière grâce au réseau synchronisé de Dabo Media. Merci également de nous écouter à l'étranger via notre site internet et sur nos plateformes digitales. Djaray Grassi, bonjour. Bonjour Arissatou, bonjour à toute ma Guinée, bonjour à la diaspora, bonjour à Boké, Touba, Gawal, Kounsougou, Kanfarandé, bonjour à tous. Bonjour, c'est beaucoup de choses à la fois. Hein. Bien sûr. La Guinée, dans la son... La Guinée, oui, j'aime bien ce pays, j'aime bien la Guinée, je suis fière d'être Guinée. Sauf qu'elle commence à détailler elle aussi. Mais bien sûr, allez, sûr, bonjour à l'autre voisin.
Khalil, bienvenue. Bonjour Arisatou. Bonjour à la minière dans le bar café Mamadouba où nous sommes régulièrement écoutés. Bonjour à Forikaria, bonjour à Kamsar chez mon cher ami Alassane Doulel Diallo. Bonjour à Kirwane, bonjour à Sibiri Baro, bonjour à Doumadou, c'est ma mère. Aïssatou, laissez-moi dire bonjour à la Vista Bank Lambani. Oui. Qu'est-ce que c'est? Oui, pour ceux qui ont suivi l'émission, le supplément le vendredi dernier, j'ai dénoncé le mépris dont j'ai été victime de la part des trois dames dans cette banque à Lambani. Donc c'est avec un sentiment de joie soulagée, je voudrais apprendre aux auditeurs de FIM FM que j'ai été contacté par la direction à travers Mamadou Selou Bari qui est directeur des opérations, Alpha Omar Diallo qui est responsable du réseau des agences Vista Bank. Donc la direction m'a présenté des excuses. Eh ben. Oui, m'a présenté des excuses pour le désagrément causé et a promis qu'elle prendra toutes les dispositions pour corriger les manquements. Voilà, donc je pense que les clients de la Vista Bank peuvent s'en réjouir, il faut le dire. Et je pense aussi que toutes les directions, que ce soit des EPA, que ce soit des EPIC, que ce soit de nos administrations, devrait fonctionner de la sorte. Parce que j'estime aujourd'hui que cette banque, la direction de cette banque est bienveillante à la satisfaction de ses clients, mais aussi au manquement causé par ses travailleurs. Et je pense que c'est important. C'est pas rien, Khalil, vous l'avez dit à la radio. Non, oui. Il fallait bien... Non, attendez, c'est très important. Aïssatou, vous savez, nos compatriotes qui vivent en Europe, quand ils viennent en Guinée, je vous dis qu'ils ont sérieusement des problèmes dans nos banques, dans nos administrations. Parce qu'en Europe, ils sont habitués à un service respectueux, à un service satisfaisant. Lorsque vous partez pour un service dans une banque en Europe, les travailleurs tremblent pour vous satisfaire. Mais en Guinée, quand vous partez... Je parle en général, que ce soit l'administration. Je parle que ce soit l'administration. Le secteur privé, partout. Que ce soit les banques. Mais je vous dis, d'abord, les réceptionnistes ou les secrétaires sont pires que tout le monde. Mais c'est pas comme ça. Si vous avez mal passé la nuit avec votre amant ou bien votre mari, vous ne pouvez pas manifester ça contre des clients, des usagers. Il y a une caissière qui a failli me frapper un jour parce qu'elle devait aller à la pause et moi je voulais mon argent. C'était un peu compliqué, elle était vraiment fâchée. J'ai vu que ses amis allaient manger sans elle. Moi-même, j'ai eu pitié d'elle. Je pense qu'on apprenne aux travailleurs, des agents de l'État, des travailleurs des banques, que des clients ou des usagers sont à respecter. Ils ont un devoir. Donc quand les gens vont pour un service, il faut les respecter. Et puis vous avez l'obligation de les sourire. Aïssatou, vous animez cette émission souvent, vous n'êtes pas de bonne humeur. Mais quand vous vous asseyez ici, vous forcez le sourire pour les auditeurs. C'est clair. Vous forcez le sourire pour les auditeurs. Donc les travailleurs aussi devraient faire pareil. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous ne partons pas dans les banques ou dans les administrations pour quémander. Nous partons pour un service et nous devrons être respectés par rapport à cela. Et on espère que toutes les banques vont en faire. Mais les directions ne veillent pas. C'est pourquoi je salue cette proactivité de la direction de la Vista Bank. Combien de fois nous avons dénoncé dans ce studio l'extorsion au niveau du ministère de la Sécurité? Partez, vous voulez garer votre moto, on vous extorque, on vous enlève 5000 francs. Mais ce n'est pas légal, ce n'est pas prévu par la loi. Mais les ministres, ils nous écoutent. À l'hôpital Donka, vous voulez garer votre moto, à la traumatologie, vous avez un parent qui a fait un accident. Vous ne savez même pas combien... Ce n'est plus le cas, hein, c'est déjà réglé. Non. Bon, la nouvelle direction a géré tout ça. Lincoln, c'est récent. Moi, je viens de là-bas. On va le laisser continuer, Lincoln. C'est récent. Donc, je pense que vous ne savez même pas combien vous pouvez lui apporter. C'est-à-dire que quelqu'un a fait l'accident, on a amputé son pied. Vous voulez partir, vous avez même du mal à lui apporter le soutien. Et puis, vous venez, il y a un gardien qui sort de nulle part pour vous dire payez. Mais nous l'avons dénoncé plusieurs fois. La direction ne veille pas et ils nous écoutent. Les responsables nous écoutent. Donc, je salue cette action de la direction Vista Bank et je pense que toutes les directions devraient fonctionner de la même façon. Vous vouliez ajouter quelque chose, Yaya? Bonjour. Oui, bonjour Aïssatou, bonjour à tous nos auditeurs. Alors, ce qu'il dit est tellement important que moi j'avais fait une réflexion, en tout cas un article que j'avais publié. Je l'avais intitulé à l'époque « Service public en Guinée, 2 points, comment rompre avec la culture du mépris ?»
je l'avais publié et même des sites avaient repris ça. Parce que quand je suis arrivé ici, ce qui m'a frappé, c'est ce mépris-là. Lorsque vous allez vers le service public, vers les entreprises, vous écrivez, vous prenez la peine, Arisatou, d'écrire à une administration, qu'elle soit publique ou privée, mais c'est de la peine, c'est du temps que vous prenez, c'est de l'argent que vous prenez. Et on sait que Yaya, il est respectueux des procédures, alors, très respectueux. Maintenant, vous déposez, vous partez, vous déposez, vous arrivez à contourner tous les embouteillages, vous allez vous déposer ça, vous faites décharger vos documents, mais vous attendez, on ne vous appelle jamais. En fait, l'administration n'a pas l'obligation de satisfaire toutes les demandes en tout cas qu'on lui adresse, mais elle a l'obligation de répondre aux demandes sollicitées. On peut répondre oui, on n'est pas à mesure de satisfaire pour telle raison. Motiver aussi les raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire tel service ou tel autre. Donc c'est tellement important. L'arrogance, il y a une arrogance qui ne dit pas son nom, qui caractérise quand même ces services-là. Ils sont là pour les gens. En fait, ce sont les règles même de l'administration de base qui sont foulées au sol. Mais ce n'est pas normal. C'est en Guinée, vous entendez un travailleur des banques dire à un client, va là-bas. Mais ça ne se dit pas. C'est de l'impolitesse. On dit, allez-y là-bas, à un tel point, avec une indication précise. Mais allez là-bas, va là-bas. Mais c'est bizarre. L'administration est très fatiguée. Non, c'est bizarre. L'administration, c'est la courtoisie. L'administration, c'est l'élégance. L'administration, c'est le respect des usagers. Donc, si on n'a pas ces règles de base-là, pendant ça, on parle de management par objectif, on parle de culture de résultats, on parle ce qu'on parlait là la fois dernière ici dans cette émission, le contrat de performance. Mais si les règles de base de l'administration ne sont pas respectées, mais comment on peut atteindre ces objectifs-là, contrat de performance, tout ça, ça sera un leurre. Donc il faut que les gens reviennent à la base. Il faut qu'il y ait en tout cas du respect pour les citoyens, pour les usagers. Il faut qu'il y ait un peu quand même de d'élégance. Il faut qu'il y ait de la courtoisie. Et c'est la même chose, Diarra, un peu partout, même dans le secteur informel. Il suffit d'aller dans une gargote pour s'en rendre compte. Parfois, ce sont les clients qui lavent les bols. Hein. Tout à fait. La bonne femme, elle est là, elle ignore tout le monde. Moi, je me dis, je ne sais pas pourquoi le Guinéen a tendance à toujours dégager ce mépris vis-à-vis de son prochain. Moi, je vois dans les taxis, justement, vous voyez les chauffeurs, quand ils ont besoin que vous montiez à bord, ils vous chouchoutent, ils vous dorlotent, mais dès que vous arrivez à bord, on vous parle très mal, alors que c'est ce client-là qui monte dans ton taxi, qui fait de toi ce que tu es. Ouais. Je pense que tu lui dois le minimum de respect. Allez-y à Avaria, vous demandez un article, même si vous n'avez pas besoin de l'acheter. Si vous demandez et que vous ne l'achetez pas, on va vous insulter, oui. On va insulter, oui, tes, ouais, parents, on va insulter, oui, toute ta famille. Mais je pense que le Guinéen doit se remettre en question à un certain moment donné. C'est pas parce que tu souffres que les autres doivent souffrir. C'est pas parce que tu as un problème dans ta famille que les autres doivent en pâtir. Je suis sincèrement désolée. Quand vous êtes dans un environnement, faites en sorte que quand vous êtes là, qu'on sente que quand vous êtes là, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de mépris. C'est très important. Mais à cette allure, je pense que nous allons continuer à nous détester pour rien, puisque même moi, j'ai fait une prise de bec un jour avec une petite fille qui peut avoir l'âge de ma troisième jeune sœur, qui me parlait d'un ton, je viens acheter de la salade et puis avec tous les ingrédients, je viens, et après elle commence à me parler, je dis, mais madame, écoutez, vous ne me connaissez pas, peut-être c'est la première fois que vous et moi allions nous voir, mais vous me parlez d'un ton. Non, je ne me sens pas à l'aise. Je dis, si tu ne te sens pas à l'aise, est-ce tu que restes moi, à la maison. Mais tu restes à la maison, tu remballes tout, tu rentres. C'est quand même dommage. C'est la colère, ce qui marche ici, c'est. Tu sais qui suisse, bon, c'est ce trafic d'influence, c'est ce qui marche ici. On va essayer d'avancer, hein. La colère saine ce matin de nos chroniqueurs. Bienvenue, Boyi. Merci, Arisatou. Bonjour à tous. Bonjour à tout Kankalabi, Djindji, Pelle, Lonsi, Sambouya. Bonjour à Dalin, c'est dans l'Abbé. Alors, nos condoléances, hein, peut-être que vous avez un peu oublié, mais nos condoléances à Mamadou Houry Diallo qui a perdu son père hier du côté de Zéro Corée. Paix à son âme. Ils sont déjà en route, ils ont bougé hier. Effectivement, pour accompagner Houry. Voilà, le voyage va bien se passer. Toutes nos condoléances, en tout cas, à la famille de Houry et ainsi qu'à l'ensemble de la direction et du personnel aussi de FIM FM. Alors, ce que Khalil a dit, je pense qu'il a tout à fait raison. Et chapeau pour Vista
banque, c'est important. Des institutions eh bien, bancaires ou tout au moins financières de la République de Guinée doivent en tout cas comprendre que le service rendu est important. Elles sont là pour satisfaire les clients que nous sommes. Il est important quand même qu'elles partent dans ce sens. De l'autre côté, moi je voudrais quand même interpeller très rapidement Harissatou, madame la gouverneure de la ville de Conakry. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les Guinéens ont applaudi lorsque nos carrefours ont été embellis. Mm-hmm. Aujourd'hui, quand vous passez devant ces carrefours, franchement, c'est beau, c'est une belle image, tout à fait embellie. Mais de l'autre côté, je voudrais interpeller madame la gouverneure par rapport au cas des échangeurs, des ponts et des passerelles. Aujourd'hui, je me pose la question, est-ce que les passerelles, les ponts sont devenus des forteresses ou l'ordre ne doit pas régner ? Les ponts, les passerelles sont faits surtout à Dixine et à Maria, pour les piétons, pour traverser, pour éviter de traverser en pleine chaussée. Mais aujourd'hui, vous partez là-bas, mais les étalagistes, les vendeurs ont transformé ces lieux en lieux de vente. Ce n'est pas possible. Chaque fois, on dégage les gens de là, mais deux, trois jours après, vous les revoyez. Madame la gouverneure, s'il vous plaît, prenez des mesures draconiennes. Les passerelles, les ponts sont faits pour les piétons. Tout ce qu'ils vendent là, faites en sorte qu'ils libèrent les lieux. Allez-y à Coloma, ici tout récemment. La passerelle qui est là. Mais aujourd'hui, vous montez en haut, c'est des étalagistes, c'est des vendeurs qui vendent. Mais prendre Dixine Amadina et Amadina. Dixine, on n'en parle même pas. Mais bon sang de bon Dieu, la même loi. Même si après les citoyens, oui, ils n'empruntent pratiquement pas ces passerelles. À l'État alors d'emprunter. Même si ce n'est pas une excuse. Et de faire en sorte que les citoyens libèrent les lieux. Ce n'est pas des lieux de vente. Vous voulez vendre, rentrez dans les marchés. Et l'État aussi doit mettre en place une politique d'expansion des marchés. Il faut construire de nouveaux marchés. Mais en attendant, s'il vous plaît, les passerelles, les ponts, c'est fait pour traverser, c'est fait pour les piétons, c'est pas des lieux de vente. En Kosseng, ça ne va pas du tout. Là, on dégage aujourd'hui. Complètement. Demain, vous venez retrouver les gens là-bas. Et j'ai peur. Avec des risques d'accident. Imaginez un camion, un véhicule qui a des problèmes de frein et qui fonce, je ne le souhaite pas, sur ces marchands ambulants. Oui, mais c'est arrivé à Anta. À Anta. D'accord, donc il faut aujourd'hui... Et plusieurs fois. Hein. Évidemment, il faut aujourd'hui que madame la gouverneure, de la même façon, vous avez embelli nos carrefours, on a applaudi cette initiative, faites en sorte que les passerelles et les ponts soient débarrassés des vendeurs et des étalagistes. Et que les chaussées soient libérées aussi, hein, il faut le dire. Basikolo, bonjour. Bonjour Arisatou, bonjour à ces vendeuses de Takula, ces vendeuses de Marakoulagny, de Lafidi et de Yefou. C'est là-bas nous mangeons les gargotes. Hein. Bonjour dans les taxis. Magwana Bombona. Heureusement, Yara a dénoncé ce qui se passe dans les taxis. Dans les Bombona, il y a le respect absolu. Pas du dans tout, hein, pas également. Du tout. C'est du n'importe quoi dans les Bombona. J'étais dans Bombona hier, Lincoln Attali. À 20h, oui, à 20h. J'ai pris Bombona hier à 20h. Le chauffeur, en pleine circulation, il gare la moto, il part pisser sans dire à personne, je viens pour pisser. Je vous assure. Ça aussi, voilà. C'est une habitude. Voilà. Hein. C'est allez, très important. L'émission continue. FIM FM, le temple de l'info, le temple du savoir et du savoir-faire. FIM FM. FIM FM. Le temple du professionnalisme rigoureux. Le temple de l'info vrai, traité sans passion, mais sans concession. FIM FM, le supplément, l'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Arisset Ousseau. Linko, un mot très rapidement hein, sur la finale de Dangotuma, je crois, doté du trophée Aboubacar Diallo, c'était hier. Oui, vous voyez l'écharpe que je porte, c'est le cadeau de Dangotuma à M. Aboubacar Diallo qui a été honoré par l'AJVDT, l'Association des Jeunes pour le Développement de Dangotuma, qui a organisé cette association, ce tournoi qui portait le trophée Aboubacar Diallo, un événement très important. L'organisation était impeccable et le public était bon enfant. C'était de la merveille hier de ce côté. Et merci à ses organisateurs. Merci pour l'honneur accordé à notre radio. Merci surtout à notre directeur Aboubacar Diallo. Alors on va aller avec le premier sujet. On parle d'Abdourahmane Sano ce matin qui sera jugé ce lundi donc devant le TPI de Mafanko et un autre citoyen qui est convoqué du côté de Mafreya. Oui. Pour avoir lui aussi organisé une réunion. Hein, oui, tout à fait. Je crois que le cas Abdourahmane Sano est en train d'inspirer désormais des gouverneurs, des préfets, même les chefs de quartier dans ce pays. Je vais commencer par ce qui s'est passé du côté de Mafreya. Monsieur Sano,
qui est pratiquement poursuivi pour participation délictueuse à une réunion. Du côté de Mafereya, c'est le sous-préfet également qui a interpellé un citoyen du nom de Morlaï Savané. Morlaï Savané, c'est le vice-président d'une association qu'on appelle JIDAM, des jeunes pour la défense des acquis de Mafereya, qui ont organisé une réunion dans un domicile privé parce que le ministre Mori Kondé a annoncé la fin du mandat des délégations des mairies. Les fils de Mafereya se sont réunis pour aider leur commune pour dire bon, cette fois-ci, puisque le gouvernement a sonné la fin de la récréation, il faut qu'on se retrouve pour aider à choisir les fils de Mafereya qui pourraient composer la délégation spéciale. Et il ne fallait pas. Non, ça, il ne fallait pas. Cette réunion s'est tenue, je crois, le vendredi. Mais ce qui se passe, je vais donner des précisions. Ce qui se passe est très dangereux parce que ce matin, j'ai pu avoir le sous-préfet. Alors, la réunion s'est passée le vendredi, comme je l'ai dit, dans le secteur Kantimbouni, pour la précision, dans une concession qu'on appelle Kourmaya. Et la réunion a été tenue par cette association agréée, une association agréée par l'administration du territoire à travers le préfet de Mafereya, qui est connu, qui exerce librement. Et dans une concession. Dans une concession à Kourmaya. Alors, le sous-préfet, apprenant que ses fils de Mafereya sont en train de faire une réunion pour choisir ou proposer les futurs dirigeants de la localité, a fait débarquer des gens pour convoquer celui qui était l'initiateur de la réunion. L'association est coordonnée par un certain David Keita, il est ancien journaliste du côté de Familia que nous connaissons nos confrères. Son vice-président, c'est Morlaï Savané. Alors, la convocation est tombée. Le sous-préfet, je l'ai eu ce matin. Et dit que cette réunion est interdite, puisque toute réunion pratiquement est interdite dans ce pays. Et il est en train d'assimiler cette réunion de l'association à même une réunion politique. Ce matin, quand je l'ai appelé, il dit oui, que toute réunion politique est interdite. Monsieur le sous-préfet, c'est une association qui organise. Il dit oui, c'est une réunion politique qui est interdite. Alors, la question qui reste posée désormais, est-ce que toutes les réunions sont interdites en Guinée? Est-ce que vous, quand vous avez une ONG, une réunion de famille, un mariage, même dans les cafés, on ne se réunit pas? On est en train de semer la terreur dans ce pays. La Guinée est en train de devenir la Corée du Nord. Si le ministre de la Justice... N'exagérez pas non plus. Si. N'exagérez pas. J'interpelle. La Guinée ne deviendra jamais la Corée du Nord. Attention, ça se passe à Mafereya. N'exagérez pas. Ne nous comparez pas à la Corée du Nord. Retirez. Oui, on alerte. On alerte. Attention. C'est un sous-préfet qui s'érige en procureur. Vous exagérez, Lincoln. On sonne l'alerte. C'est un sous-préfet qui s'érige aujourd'hui en procureur à Mafereya. Il a reçu des ordres. Il ne s'érige pas. Son ton est illégal. Et on parle pour que le ministre Mori Kondé nous écoute. Pour que le ministre Charles Wright nous écoute. Pour que le président nous écoute. C'est que ce sous-préfet est en train de jouer comme rôle. On peut interdire aux fils de la localité qui ont des associations agréé par l'État de faire des réunions. Sano, alors demain, aujourd'hui, hier, c'était Abdourahman Sano avec sa structure. Et après, c'est Mafereya avec l'association qu'on appelle JIDAM. Et demain, on va rentrer chez les citoyens qui font le mariage, qui font du thé, qui se réunissent. On va même interdire les réunions de serré. Faut pas qu'on arrive là. Quand cela arrive, on va dire que la Guinée est en train de devenir peu à peu la Corée du Nord. C'est sous préfet gêné. On n'a pas besoin de cela. C'est tout. Ce qui est grave, c'est ce à quoi on est en train d'assister. Vous savez, quand le coup d'essai est réussi, finalement, ça va être un principe pour tout le pays. Et finalement, c'est les droits de l'homme qui vont prendre, en tout cas, un coup de pied. C'est pas normal. Ça a déjà commencé. Ils sont en train de faire l'extension à d'autres localités. On interpelle le sous-préfet de Mafereya. Il n'est pas procureur. Il ne peut pas interdire aux fils de la localité de se réunir dans leur concession pour tenir une réunion afin d'aider les autorités à trouver des bons fils qui puissent gérer cette commune qui a souffert de martyrs parce que pendant toute la gestion de l'ancienne équipe communale, Mafereya n'a même pas eu une maison des jeunes. Rien. Alors aujourd'hui, comme le dit Lincoln, on est en train de sombrer, mais je pense qu'il ne faut pas s'en prendre au sous-préfet, au préfet. Il faut que le ministre Mori Kondé nous dise qu'est-ce qui est désormais autorisé dans ce pays, hein, parce qu'on a l'impression que tout est interdit. Il y a une culture à l'intérieur du pays, je vais vous l'apprendre. Cette culture, c'est que les officiers de police judiciaire se sentent placés sous l'autorité hiérarchique des préfets et des sous-préfets. Vous savez, c'est une pratique anachronique.
Avant, les sous-préfets, les maires pouvaient ordonner l'arrestation d'une personne et c'était fait sur le coup. On pouvait donc vous maintenir illégalement pendant, à la satisfaction en fait des autorités qui ont ordonné, ça, c'est qui ont ordonné l'arrestation. Non, vous savez, c'est fréquent. Même à Conakry, c'est les plus forts qui règnent à mettre c'est fréquent à l'intérieur du pays. D'abord, cette formation manque aux officiers de police judiciaire. À savoir qu'ils ne sont pas placés sous l'autorité hiérarchique du préfet. Le préfet, s'il constate une infraction, il informe l'officier de police judiciaire qui peut aussi constater réellement si réellement les infractions sont fondées. Il peut engager une poursuite. Il peut engager une enquête. Mais ce n'est pas parce qu'un préfet prend le téléphone directement et dit il faut arrêter telle personne et puis c'est fait. Qu'il faut le faire. Le maire peut le faire aussi. Il faut arrêter telle personne et puis c'est fait. Mais c'est grave. On fait référence aujourd'hui à un article du code pénal que je voudrais vous apprendre. Allez-y. C'est l'article 634 du code pénal. Cette disposition prévoit l'interdiction des manifestations dans des lieux publics, des réunions dans des lieux publics. Mais quoi il s'agit ? Les organisateurs de toute réunion illicite sur une voie publique sont passibles d'emprisonnement de 6 mois à 1 an et d'une amende de 500 000 à 1 million de francs guinéens. Sauf que ce n'était pas sur dans ces lieux publics. Oui, on dit de toute réunion illicite. C'est-à-dire préalablement, la réunion dont il est question est interdite. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, sur la voie publique. Mais les réunions dont on parle aujourd'hui, je pense que c'est des réunions qui ont été tenues dans des endroits privés. Non, il n'y a aucun caractère public qui puisse interpeller un procureur ou un préfet. Et puis dans une concession. Donc, c'est-à-dire dans un aspect physique, dans un espace physique, donc privé, pardon. Je ne comprends pas comment un préfet ou un sous-préfet peut se lever pour arrêter des personnes sur la base de ces trucs-là. C'est vraiment grave. Ce qu'il faut craindre, c'est que aujourd'hui nous tendons vers un état policier. Lincoln a parlé de la Corée. Mais moi, je parle plutôt d'un état policier. L'état policier, c'est un état où toutes les libertés sont restreintes, où personne n'a droit à une liberté. Alors, nous tendons vers cet état aujourd'hui. Parce que quand une personne se lève pour manifester, c'est-à-dire avec une voix dissonante, vous êtes arrêté. Quand vous organisez une réunion, vous êtes arrêté. Abdourahmane Sanon, dont on va parler tout à l'heure. Mais il a fait quoi? Il était dans les quartiers pour organiser des réunions de citoyenneté, de sensibilisation. Mais on l'a interpellé. Et qu'est-ce qu'il risque justement, Khalil? Qu'est-ce qu'il risque? Ce qu'il risque, il faut dire clairement, je serais étonné de voir sa condamnation. Parce que ça ne repose sur aucune base légale. C'est carrément illégal. Abdourahmane Sanou n'a commis aucune infraction pour qu'il soit aujourd'hui même inculpé. Mais c'est bizarre. Je me demande même maintenant s'il y a du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire dans notre pays. Et le ministre de la Justice est aussi interpellé. Pour des réunions. Mais des réunions. Et puis, comme je l'ai dit, dans des endroits privés. On a dit espace public. Quelle est la base sur laquelle aujourd'hui il se fonde pour arrêter, interpeller un citoyen pour une réunion? Ce n'est pas vraiment du ils droit. Ils ne comprennent pas. C'est du non-droit. Ils ne comprennent pas. On ne comprend plus. Hein. Charles Wright et... Voilà, c'est compagnie. Vrai qu'il y a, des soucis, il y a des problèmes. Mais Arisatou, ce qu'il faille souligner, c'est qu'aujourd'hui, personne ne peut se le relever. Les libertés fondamentales sont consacrées par la Constitution guinéenne. D'accord ? À partir du moment où ces libertés sont consacrées par la Constitution... Par la charte. Oui, d'accord, par la charte, d'accord. Parce que nous sommes en période de transition, d'accord. La charte, donc, c'est la Constitution de la transition. Ça veut dire en amont que l'État, ou bien en tout cas... disons, le gouvernement en place, les autorités en place, sont obligées de respecter le contenu de cette charge au même titre que les citoyens. Et aujourd'hui, il ne faut pas que les sous-préfets, les gouverneurs, les préfets s'érigent en procureur de la République. Mais vous n'en prenez pas aux sous-préfets, ils ont reçu des ordres. Il y a certains... Ils ont reçu des ordres. Nul n'est censé, en tout cas, exécuter un ordre manifestement illégal. On sait comment ça se d'accord passe. D'accord. Maintenant, quand des citoyens tiennent des réunions dans leur concession... Ça relève du domaine privé. Oui. Ils sont dans leur concession. Vous n'avez pas à aller vous en prendre à eux. Comme Lincoln l'a rappelé, cette réunion, elle n'a pas une visée politique. Cette réunion, elle ne vise pas à troubler leur public. Cette réunion, elle ne vise pas à jeter du discrédit sur les autorités de la place. Elle vise plutôt à ce que les citoyens d'une même contrée, Fourkaria, se retrouvent et discutent de leur vie, de la vie de leur commune. De leur commune. Donc, je ne vois pas en quoi cela peut porter atteinte
aux institutions qu'incarnent aujourd'hui les autorités de la transition. Donc il faut faire beaucoup attention, il faut faire la part des choses, il faut faire la différence, le distinguo entre une réunion politique et une réunion privée censée, n'est-ce pas, définir par exemple les règles. Les réunions politiques ne sont pas interdites. Mais, justement, mais comme la transition, nous sommes dans cette transition et que le CNRD dit clairement que les manifestations sur les places publiques et voies publiques sont interdites jusqu'à nouvel ordre, dans un premier temps, on peut comprendre puisqu'ils veulent la paix, la tranquillité ça, pour ça que cette réunion... Ça n'a rien à voir avec alors la que, paix. Alors que ça n'a c'est rien une à violation des droits de l'homme, c'est une violation on grave. On ne peut pas restreindre les libertés au nom de la paix. Je suis oui. tout à fait d'accord avec attention, vous. Attention, vous êtes... C'est ce que je dis, on est sur la même longueur d'onde là. Allez-y. Le CNRD n'a même pas à dire interdiction formelle des manifestations, puisque la manifestation reflète aussi la vivacité de la démocratie. Donc ce que je voudrais aussi souligner, c'est qu'aujourd'hui, on est face quand même à une occasion assez difficile. Les citoyens doivent, n'est-ce pas, jouir de leur liberté fondamentale. Nous sommes dans une république, nous ne sommes pas dans la brousse. Alors, qu'on brandisse des poursuites contre les gens qui se réunissent dans leur concession, en tout cas pour des situations bien définies, qui surtout n'ont rien à voir avec une atteinte aux règles de la République, aux lois de la République, je pense qu'il faut cesser ça. Aujourd'hui, Abdourahmane Sanou, les autres confrères l'ont rappelé, sera devant le juge pour son jugement. J'espère qu'on ne va pas aller dans une dynamique d'éteindre les voix discordantes dans le pays. On est déjà j'espère sur cette dynamique. Qu'on va faire en sorte que force reste à la loi et qu'on ne passe pas, qu'on ne plombe pas dans les préjugés. Puisque Abdourahmane Sanou, jusqu'à preuve du contraire, il n'a pas porté atteinte aux institutions de la République. Laissez la justice faire son travail, c'est très important. Allez-y, Diaraï. Il faut laisser la justice faire son travail. Sauf qu'on a l'impression que ce n'est pas la justice qui fait son travail, là, attention. C'est pas la justice allez-y, qui agit. Allez-y, Diaraï. Il va comparaître, on saura de quoi il s'agit et le droit sera dit, à mon sens. Par rapport à ce qui se passe à Mafaréna, je pense que c'est très grave. Il faut faire très attention parce qu'on n'énerve pas la population. On ne touche pas à la population. C'est très important. Quand vous êtes là en tant que dirigeant, vous ne pouvez pas diriger un pays vide. Il va falloir qu'il y ait des personnes pour que vous dirigez. Mais cette façon de toujours inquiéter les citoyens, à cette allure, si vous allez jusqu'à vous attaquer à des particuliers qui font des réunions dans leur domicile privé, je pense que c'en est de trop. On touche le fond et c'est pas du tout bien. Les conséquences peuvent être très néfastes. Vous risquez gros en faisant cela. Il faut faire très attention. Par rapport au comportement des autorités locales, régionales, on sait quand même que ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Le plus souvent, même si l'ordre ne vient pas de Conakry, il y a quand même des autorités, des responsables qui se permettent de diriger comme étant un demi-dieu. Ça s'est passé, ils donnent des ordres, ils prennent des décisions alors que ça ne relève pas de Conakry. Je pense que cette façon aussi doit changer. Il faut quand même que le Guinéen essaye de comprendre qu'il y a des choses, c'est basique, c'est révolu, il faut rompre avec cette chaîne-là, c'est très important. De là à aller arrêter des citoyens de surcroît, une association agréée, je pense qu'aujourd'hui, si la population n'intervient pas dans le processus de développement de son pays, qui d'autre va le faire? Je pense que la population, et vous, et nous, et les autorités, nous avons tous notre mot à dire dans la gestion de ce pays, dans le développement de ce pays. Voilà qui est bien dit. Yaya, on a l'impression que les gens laissent faire. On a l'impression que la Guinée n'a pas d'acteurs de la société civile. Hein. Non, mais on a l'impression qu'elle n'existe plus, cette société civile. C'est tellement juste ce que vous dites. Mais je voudrais d'abord féliciter Yaraï, parce que comme ça, ce matin, je la reconnais. Yaraï, comme je l'ai connu. Attention, l'adrénaline va monter tout de suite. Attention, ne vous apprenez pas à Yaraï ce matin. C'est la logique, elle est évidente. Là, je pense qu'elle a vu juste et il faut continuer comme ça. C'est comme ça que je l'ai aimé, que je l'ai respecté. Et maintenant, pour répondre à votre question, mais évidemment, Harissatou, il faut quand même voir, il n'y a plus de voix aujourd'hui qui s'élève pour dire non. Il n'y a plus de voix qui s'élève aujourd'hui pour dire au CNRD, mais écoutez, attention, vous n'êtes pas un pouvoir élu, vous n'êtes pas un pouvoir légal quand même. Il n'y a pas cette voix-là, aussi bien dans le champ politique, mais aussi bien Toutes les voix sont sur le point d'être éteintes. Au niveau de la société civile, mais c'est extraordinaire. Donc voilà aujourd'hui la situation dans laquelle nous sommes, mais qui et quand et comment on pourrait bien rappeler à ce CNRD-là, attention, allez doucement. Vous n'êtes pas, on est dans une transition, on a besoin de tout le monde. C'est un moment pendant lequel on devrait
promouvoir la culture mais du débat. Mais il n'écoute pas, le CNRD n'écoute pas, le gouvernement n'écoute pas, Yaya. Évidemment, mais il faut que le gouvernement sorte de cette sourde oreille pour écouter les gens. Une période de transition, c'est un moment pendant lequel on sollicite tous les avis, toutes les opinions des uns et des autres, parce que c'est une force, c'est une occasion pendant laquelle on doit construire, et on construit ensemble. Pour construire quelque chose de durable, il faut le faire avec la majorité, il faut le faire avec des gens qui ont la légitimité. Mais je voudrais quand même rappeler tout simplement Arisatou, vous savez, chose, Khalil l'a expliqué, en fait, aller dans les maisons, dans les concessions, dans les domiciles. En fait, on est dans une sorte de... On est en train de faire une violation de domicile. C'est une violation de domicile. Maintenant, si même chez vous ou dans vos quartiers, vous ne pouvez pas vous réunir, vous ne pouvez pas parler de votre association, vous ne pouvez pas parler de vos problèmes de famille. Mais finalement, mon grand parlait tout à l'heure de Corée du Nord. Mais exactement, on est à Pyongyang, là. Ah. On est comme si on était au Vietnam, ou en Birmanie, à Rangoon. Même là-bas, aujourd'hui, les pratiques sont en train d'évoluer. Mais il faut qu'on sorte de ces pratiques staliniennes pour que nous puissions quand même aller sur la lancée sur laquelle on était déjà parti. Il ne faudrait pas nous ramener en arrière. Et cette culture d'abus d'autorité de la part de nos élus, des représentants de l'État au niveau de l'intérieur du pays, mais c'est extraordinaire. En Guinée, lorsqu'on a une petite parcelle de pouvoir, mais les gens en abusent. C'est pas normal. Il faut que les gens reviennent sur terre. Ce n'est pas normal. Et je termine pour dire que quand même, il faut cette transition, elle va passer. Mais les Guinéens vont rester. Allez, pour une fois, ils sont tous d'accord sur un sujet. L'émission continue. Déboussolé par l'épouvantail de la reddition des comptes, devenu une réalité avec l'avènement du CNRD au pouvoir, certains gros bonnets mouillés jusqu'aux os nagent en pleine paranoïa kafkaïenne en prenant pour cible nos lignes. Mais mal leur en a pris, car ils ont fait chou blanc. Et qu'on se le tienne pour dit, rien ne nous fera céder aux humeurs assassines des cols blancs. FIM FM, rempart contre les prédateurs de l'économie guinéenne. FIM FM. Yes, we can. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, FIM, le supplément d'ensemble. Djaray, on reste avec le ministre Amori Kondé qui donne un avertissement aux élus locaux et qui dit ceci: ceux qui ne se comporteront pas bien seront remplacés par des délégations spéciales. Tout à fait, il l'a dit à Kindia, et c'était lors d'une rencontre entre lui qui était accompagné par ses homologues de l'habitat et de la pêche, et également les administrateurs territoriaux, et également des conseils communaux. Et c'est à cette occasion qu'il leur a fait comprendre qu'il ne va pas céder face aux conseillers qui vont pas très bien se comporter, puisque dans la gestion, que s'ils se rendraient compte que dans leur gestion ils font le bradage, il va pas les laisser faire. Donc il leur a laissé comprendre que toutes les mairies qui vont lui soumettre le plan annuel d'investissement dans lequel il va se rendre compte que il y a un maire ou bien il y a son conseiller qui a essayé d'octroyer un marché par rapport à la construction d'une école, s'il se rend compte que le maire ou le conseiller en question ce sont des investisseurs, donc dans l'intention de s'octroyer le marché, et que si dans la localité il y a un besoin pressant, c'est un centre de santé qu'il faut construire, s'il s'en rend compte, il va justement renvoyer et le maire et le conseiller en question. Donc pour lui, tous ceux qui vont se comporter très bien vont rester là, mais tous ceux qui vont se comporter anormalement vont partir, parce que pour lui, leur mandat est arrivé à échéance. Donc il ne va pas trembler, il ne va pas hésiter, il va appliquer sa décision, il sera sans état d'âme si on s'en tient à ses propres propos. Vous savez quand même que depuis l'avènement du CNRD le 5 septembre 2021, plusieurs
plusieurs conseils communaux du pays ont été, que ce soit en zone rurale ou urbaine, ont été quand même dissous. Donc, je pense que le CNRD tient à cette opération parce qu'il y a beaucoup qui ont été dissous. Donc, pour des faits présumés de détournement de deniers publics. Et vous le savez quand même que dans le pays, il y a plusieurs mairies, plusieurs conseils communaux qui sont quand même cités dans des affaires présumées de détournement de deniers publics. Donc, il va falloir que de ce côté, que les gens essayent de revoir la gestion par rapport à la collectivité. Parce que sinon, les conseils communaux du pays, tous les conseils communaux du pays pourraient être dissous. Parce que justement, le ministre Mori Kondé a quand même accentué son intervention là-dessus, même s'il fallait le faire dès l'avènement du CNRD, parce que nous avons vu que des institutions républicaines avaient été dissoutes dès l'arrivée du CNRD. Pourquoi pas les conseils communaux, puisque nous savons que leur mandat est arrivé à échéance. Khalil, ce n'est pas qu'un problème de gestion. Ce n'est pas qu'un problème de gestion. Ce qui est déplorable, c'est l'illégalité qui entache cette démarche du ministre. L'illégalité. Oui, l'illégalité. Parce que maintenant, la dissolution des conseils communaux est à lumière du ministre de l'administration du territoire, ce qui est déplorable. J'aurais voulu qu'on parte sur la base de la légalité, à voir réellement est-ce que de façon légale, un conseil communal doit être dissous. Est-ce qu'à la fin du mandat d'un conseil communal, il doit partir et qu'il y ait une autre, la mise en place d'une délégation spéciale. Mais le ministre part sur... Mais nous sommes dans une période d'exception. Non, période d'exception. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut violer toute la loi. Non, les institutions républicaines ont été dissoutes. Pourquoi pas les conseils communaux dont les mandats sont arrivés à échéance. Aucune loi ne le prévoit. Non, période d'exception. C'est ce que vous dites, c'est en contradiction. La période d'exception, ce n'est pas une période de non-droit. Ce que vous dites, c'est en contradiction avec ce qu'a dit le ministre. Parce que maintenant, si réellement le mandat était arrivé à terme, ce qui veut dire que les conseillers communaux devraient simplement quitter. Mais quand il dit, ça, ce sont des menaces. Quand il dit, ceux qui vont se comporter bien vont rester, ceux qui ne vont pas se comporter bien, il faut comprendre cela comme des menaces. Donc, des conseillers communaux sont sous menace aujourd'hui du ministère de l'administration du territoire. Donc ils sont contraints à se plier aux désiderata du ministre de l'administration du territoire. Parce que maintenant même des simples manifestations que nous sommes mais en train d'assister... Mais c'est un moins de pression. C'est un moins de pression. On n'exerce pas sous des pressions. C'est un secret de polichinelle. On n'exerce pas sous des pressions. Dans les mairies, vous êtes au courant de tout ce qui se passe. C'est gagné par la corruption. Jarai, on n'exerce pas, sous la pression. On n'exerce pas sous la pression. Les interpelle justement. On gère sur la base de la légalité. On ne gère pas parce que le ministre veut qu'on gère comme ça et puis on gère comme ça. Ce n'est pas comme ça. Le ministre aujourd'hui menace les conseillers communaux. C'est ce qui est la vérité. Et c'est ça, c'est très grave. C'est ce qui revient à dire tout ce que nous avons dit dans ces studios, à dire que le ministre n'a jamais respecté la loi en ce qui concerne la dissolution des conseils communaux. C'est ce qui se manifeste clairement maintenant. Parce que chaque fois qu'il a dissous un conseil communal, il l'a fait parce qu'il le voulait. Il ne l'a pas fait objectivement. Il ne l'a pas fait parce qu'il y avait une loi qui le lui permettait. Mais il l'a fait parce que voilà, ceux qui sont dans un conseil communal dans une telle localité ne lui plaisaient pas. Et bien voilà, il a pris. Il a quel intérêt Jarai, à faire cela? C'est très grave Jarai, quand même. Je dis cela, vous savez, si vous voulez respecter la loi, respectez la loi. Mais si vous ne voulez pas l'appliquer, vous voulez imposer votre dictat, et puis on va parler de cela. Mais Khalil, on ne peut pas non plus laisser les conseillers communaux se livrer à des pratiques qui ne sont pas saines. Attendez, vous savez, quand on parle de conseil communal, il y a une loi qui régit bien le fonctionnement des conseils communaux. Mais pourquoi ne pas respecter cette loi? Vous avez cette loi qui prévoit par quelle manière on peut dissoudre un conseil communal. Quelles sont les causes de la dissolution d'un conseil communal? Vous avez également une loi qui prévoit quelles sont les causes de la mise en place d'un conseil communal. Mais pourquoi ne pas respecter cette loi? Donc si vous foutez de cette loi, vous voulez faire semblant d'agir dans la légalité alors que vous n'êtes pas dans la légalité, vous pensez que cela est normal? Je vais revenir sur la dissolution des conseils communaux. Mais la loi prévoit clairement, le code des collectivités locales en ses articles 180 et 101, le conseil communal ne peut être dissous que s'il fait l'objet de 3 suspensions. Je vous le dis, quel est le conseil communal qui a fait l'objet de 3 suspensions? Il n'y en a pas.
Et la deuxième condition, le conseil communal peut être dissous si le tiers au moins des membres du conseil communal a été reconnu coupable à travers une décision de justice définitive. Est-ce qu'il y a un conseil communal où le tiers des membres a été reconnu coupable des infractions? Il n'y en a pas. On n'est pas. Donc le ministre se lève un beau matin et puis dit tel conseil communal est dissous, tel conseil communal est dissous. Vous pensez que c'est cela un état normal? C'est cela un état normal? Et de l'autre côté, le mandat, l'article 88 prévoit clairement que le mandat des conseils communaux est 5 ans renouvelable. Donc quand les 5 ans arrivent, qu'est-ce que le ministre devrait faire? C'était de mettre la délégation spéciale en place. Mais quand il dit aujourd'hui, déjà même la délégation spéciale n'est pas prévue par la loi non. pour la fin de mandat. Oui, pour la fin de mandat. Je parle d'un principe. Prévu. Ce qui est là aujourd'hui, c'est que clairement, il y a maintenant des délégations spéciales en place. Parce que ceux qui sont là-bas ne sont pas des élus de l'État, mais des choisis du ministre de l'administration du territoire. C'est lui qui les dirige. Donc celui qui ne va pas dans le sens qu'il veut va être carrément révoqué de ses fonctions. C'est ce qui est pire pour notre pays. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce sujet. Nous aussi reviendrons sans doute dans nos prochains numéros. Pour l'heure, nous nous arrêtons là. À venir la reprise ce lundi du procès du massacre du 28 septembre après plus de deux semaines de pause. À venir notamment l'intervention de Maître Pépé Antoine Lama et derrière Maître Amadou Desba. Nous parlerons également de la CRIEF avec le procureur Ali Touré qui souhaite une rallonge de délai au niveau des codes de procédure. Encore une fois, bienvenue. Que la vie soit meilleure. Confiance, mon choix. Oda, eh, Oda, le choix pour mon choix, ma confiance pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. ODAB, 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 Bomi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai acheté. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outils, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contacte @mounagroup.com. Téléphone +224 628 34 01 01. Mouna Group Technologie, nous faisons mieux.
surf de l'actu. Mariamba. Bienvenue à tous. Ce lundi 9 janvier, la date retenue pour l'ouverture de procès de l'ancien coordinateur national du FNDC au tribunal de Mafanko, à Maï avec la justice. Abdourahmane Sano a été interrogé mercredi dernier à la direction des investigations judiciaires de la gendarmerie avant d'être déféré vendredi au parquet de Mafanko. Il est inculpé des faits de participation délictueuse à une réunion. À Kankan, un incendie d'origine inconnue a ravagé une dizaine de cases dans le district de Yarakodo, relevant de la sous-préfecture de Koumban. Le drame s'est produit samedi alors que la plupart des habitants du village se trouvaient au champ. Il n'y a pas eu de pertes en vie humaine, mais plusieurs dégâts matériels sont à déplorer, dit-on. En Centrafrique, l'année dernière, plusieurs cas de corruption et de détournement de fonds impliquant des ministres et certains fonctionnaires de l'État ont été signalés. Lors de son adresse à la Nation, le président Touadéra a réitéré sa volonté de lutter contre la corruption tout en appelant les membres du gouvernement au sens de responsabilité. Au Henan, troisième province la plus peuplée de Chine, 89% de la population avait été contaminée par le Covid-19 à la date du 6 janvier, a déclaré ce lundi un responsable des autorités sanitaires locales, Kan Quanshen. Sur la base de ce pourcentage, quelques 88,5 millions de personnes auraient ainsi déjà contracté le Covid-19 sur les près de 100 millions d'habitants que compte la province. C'est tout pour ces infos, merci de votre attention. Le supplément se poursuit avec l'équipe de Harissa Tosso. FIM FM, de l'info. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. ODAB, ODAB, ODAB. Bomi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai acheté. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois, entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps. Et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps. Et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. We'll be right back.
informations triangulées. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Merci de nous écouter ici à Conakry sur la 95.3, mais aussi sur Kanyazik du côté de Kindia et sur Fraternité du côté de Mamou. Vous nous écoutez également en Haute-Guinée, en région forestière, grâce au réseau synchronisé de Dabo Média, avant de poursuivre et notamment de parler du procès du massacre du 28 septembre qui reprend donc ce matin. On va prendre en compte quelques réactions. On commence avec Bolokada de Touraman de Bolokada qui nous écrit. Bonjour FIM Guinée, bonjour Madame Marissatou et à toute l'équipe du jour. Je présente mes sincères condoléances à toute l'équipe du groupe Fréquence Info Média suite au décès du père de notre champion Mamadou Diallo. Que l'âme de notre regretté père repose en paix. Amine, les Guinéens vont regretter amèrement notre champion, le professeur Alpha Condé. Ce n'est qu'un début du commencement pour ceux qui ont applaudi le coup d'état contre un régime légal et légitime. Les putschistes illégitimes et illégaux vont confisquer le pouvoir du peuple souverain de Guinée en utilisant tous les moyens impossibles. On enchaîne avec Amadou Kendoumasso qui nous écrit. Bonjour le supplément de FIM Guinée. Merci pour les dénonciations car les citoyens risquent vraiment dans les banques. Félicitations à Madame la gouverneure pour les aménagements des carrefours. Elle doit aussi libérer les ponts. Amadou Kendoumasso de Vision CNRD. On enchaîne avec Alpha Camara qui nous écrit également. Bonjour FIM, ce sujet est le plus important dont vous ne devriez pas parler tous les jours. Le plus grand problème de la Guinée, c'est l'incivisme, c'est la cause principale du retard de ces pays. C'est une culture en Guinée. Même les cadres au plus haut sommet sont concernés par cela. Je vous prie d'en faire un sujet quotidien pour sensibiliser les citoyens. C'est noté. On enchaîne avec qui exactement? Mouktar Bemba Diallo qui nous écrit. Bonjour Arisatou et bonjour à tous les chroniqueurs de l'émission. Et bonjour à ma sous-préfecture natale de Sagalé, notamment à Dembaï, à Teluela, Djungol et Moumia et Eriko chez mes oncles maternels. Juste pour présenter mes sincères condoléances à Mamadou Diallo suite au décès de son cher papa et à tout le personnel du groupe Fréquence Média. Merci donc à vous Diallo. Bonne journée à vous Mouktar Dembaï Diallo depuis Bruxelles. On enchaîne avec Sirajo Sunking Diallo qui nous écrit également. Bonjour le supplément, bonjour à Broual Sunking. Le chemin peut être tortueux et même plein d'embûches, mais partout où Allah est prévu, où Allah a prévu que vous irez, personne ne pourra s'y opposer. Rassurez-vous, c'est Lou Dalen Diallo, président de la République de Guinée. N'est qu'une question de temps. Sirajo Sunking Diallo, coordinateur du club Donkin pour l'émergence de Broual Sunking. On continue avec Kierno Oumar Djambouria Diallo qui nous écrit également. Bonjour ma chère, bon début de semaine à toutes et à tous. Mes sincères condoléances à Mamadou Diallo. Je salue mon grand frère personnel Ibrahim Assouri Lincoln Souma et Aboubakar Diallo, DG de la radio FIM FM. J'ai ma chère maman nationale, honorable députée Diallo Hawa Binta Dalaba et mon cher ami Ibrahima Khalil Diallo. C'est votre cher ami personnel Kierno Oumar Djambouria depuis le Carrefour Bambeto. Merci beaucoup. On va prendre en compte d'autres réactions sur d'autres plateformes. On y va avec Sonoussi depuis Koza qui dit ceci. Bonjour Gadia et à toute l'équipe. Nos routes continuent de nous endeuiller. Hier encore, on a perdu un jeune de 17 ans dans un accident à Amarilla, paix donc à son âme. On enchaîne avec Sidi Diallo, notre confrère, qui nous écrit également ce matin. Il dit ceci, quand Khalil dit que les clients ne sont pas des mendiants, oui, mais dit à Khalil que même les mendiants aussi méritent respect et considération. Ils sont
humains comme nous. On enchaîne avec d'autres réactions. De qui exactement? De Joachim Baba Milimono de l'UFDG qui nous écrit: bonjour Arisatou, dites à ma chère Yare que bien qu'on soit en période d'exception, le code des collectivités n'a pas été suspendu, il est en vigueur. Il faut que son respect s'impose à tous les autorités en premier lieu. C'est un message donc de Joachim Baba. On enchaîne avec un autre qui nous écrit: bonjour Arisatou et bonjour à tous les chroniqueurs de la radio film. Bonjour aux militants et sympathisants de l'UFDG. Je félicite le groupe SBM à la tête. Je ne comprends pas. GFM, donc à la tête d'Aboubacar Diallo pour ta nomination comme rédactrice en chef de la plus grande radio de la capitale. Permettez-moi de saluer l'éminent juriste Maître Alassane Ba depuis Antatombolia et l'écoute est très favorable dans mon coin. Diallo Deguemakole depuis Antaberetea. Grand merci donc à vous, Diallo. On enchaîne avec une autre réaction. Bonjour à ma très respectueuse sœur Arisatou, rédactrice en chef de la radio Film FM. Bonjour à notre sœur, la brave Diakanké, la gardienne du temple Diara Girassi, et à toute l'équipe du jour. Je rends personnellement un hommage mérité à M. Aboubacar Diallo, l'influenceur ouest-africain, suite à toutes ses nominations cette semaine au sein du groupe des médias à Film Guinée. Le directeur général a vu juste. Faisons la promotion des jeunes. Un grand merci à vous. Nous vous félicitons pour cet acte hautement apprécié par les auditeurs et désormais nous sommes fiers d'appeler notre radio la radio 100%. Jeune Abdourahmane Diallo, bureau fédéral de l'UFDG Kindia, on continue. FIM FM, on n'a pas eu besoin d'emboucher les trompettes de la renommée pour cueillir des lauriers. Avec le travail comme notre credo, nous atteindrons les plus hautes cimes qui soient, les doigts dans le nez. FIM FM. FIM FM, le supplément, l'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Dans un instant à venir, la prise de parole de Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats de Moussa Dadis Camara. Nous parlerons donc de la reprise ce matin du procès du massacre du 28 septembre après plus de deux semaines de pause. Mais bien avant, on s'intéresse à Yaya, à cet accident qui s'est produit à Dakar. On parle d'au moins 40 victimes et une Guinéenne qui serait originaire de la baie. Oui, Harissatou, c'est un terrible accident qui est survenu, en tout cas du côté de la localité de Sikilo. C'est dans le département de Kaffrine, c'est au centre du pays. Il y a eu une collision entre deux bus. L'un venait de Dakar et l'autre était en tout cas en provenance de la région de Kédougou, dans le sud. L'accident a fait, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, le bilan, 40 morts. Ça varie, d'autres parlent de 39, 40, d'autres même parlent au-delà de 40. Ce qui est sûr, c'est que c'est l'accident le plus tragique de l'histoire du Sénégal. Il y a un deuil national qui a été décrété par le président Macky Sall, de trois jours, a commencé aujourd'hui. Il y a eu également un conseil interministériel qui est annoncé. Les ministres concernés doivent en tout cas travailler ensemble pour apporter tout de suite, immédiatement, les mesures qui s'imposent. Parce que le président, il a rappelé quand même, il faut qu'on questionne un peu le contrôle technique des véhicules, mais aussi la manière dont les permis, de conduire sont délivrés. Il y a tous ces aspects-là aujourd'hui qui sont sur la table et le président va annoncer des mesures très fortes là-dessus. Pour le moment, vous l'avez rappelé également, il y a une compatriote du nom de Aissatou Bella Diallo, originaire de la baie. Très belle femme, on a vu ces images sur Facebook, qui a péri dans cet accident. C'est vraiment tragique. Le peuple sénégalais est dans le deuil. Nous leur présentons les condoléances. Aussi avec tous les Sénégalais qui sont dans notre pays et l'ambassade. Nous sommes solidaires face à ces moments difficiles, ces moments durs. Lincoln, c'est très tragique et les accidents, ça reste une problématique. On a vu en Guinée, il y a eu beaucoup d'accidents, parfois des accidents qui se sont succédés sur une semaine avec des bilans très lourds. Bilan très lourd, beaucoup de familles endeuillées. Vous voyez un peu la différence entre la Guinée et le Sénégal. Avec cet accident, c'est un deuil de trois jours qui est déjà décrété. Les dispositions vont être prises. Dans tous les pays, il y a des accidents. On a aussi annoncé des dispositions en Guinée, Lincoln. Oui, mais des dispositions annoncées, ça sert à quoi? Mais
connaît rien. Il y a eu combien d'accidents dans ce pays? Combien de morts? Pratiquement, on est dans la théorie. Il n'y a pas de pratique. Surtout dans un pays où il n'y a pas de route, où les routes existantes sont muettes, où il n'y a pas, en tout cas, tout ce que vous savez en termes de visite technique, ce n'est pas étonnant. C'est pourquoi les autorités devraient prendre les cornes, les taureaux par les cornes, pour au moins réglementer ou régler quelques situations dans notre pays. Alors au Sénégal, il y a du sérieux. Je vais profiter rapidement pour mes condoléances pour les Sénégalais, mais aussi à tous ces Guinéens, cette dame du côté de l'abbé, la famille biologique. Mais félicitations à vous, Arissa Tousso, pour tout le travail abattu ici à FIM. Vous êtes récompensé, rédacteur en chef. Diaraï Girassi, en tout cas, elle est venue à Nostalgie d'été, rédactrice en chef adjointe. Aujourd'hui, elle devient secrétaire de rédaction par son travail. Yaya également, qui a une promotion. Aliou Bangoura, Adji et d'autres qui viendront. Merci, chapeau à vous. Ceux qui ne vous connaissent pas peuvent vous critiquer. Mais en termes de travail, vous êtes irréprochable. Et merci à tous ceux-ci. Promotion pour les autres également. Merci. Là, c'est le directeur adjoint de la radio qui parle. Allez, on ouvre notre dossier. FIM FM. J'entends ici et là, médias hostiles, médias rebelles. Oui, caricaturés et accommodés sous toutes les coutures. Mais en réalité, nous sommes un média ni pour, ni contre. FIM FM. La vérité chevillée à l'âme. FIM FM, média du peuple pour le peuple. FIM FM, média républicain tout court. FIM FM, même pas peur. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM. Le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Après plus de deux semaines de pause, l'interrogatoire du capitaine Moussa Dadis Camara va donc pouvoir continuer ce matin devant le tribunal criminel de Dixine, délocalisé à la cour d'appel de Conakry. Le procès avait été renvoyé, bon, il faut le rappeler, le 21 décembre dernier, alors que l'ancien chef de la junte faisait face aux questions de la partie civile, et une partie civile qui a clairement affiché sa division. Et oui, Harissatou, vous l'avez rappelé, après deux semaines de répit, eh bien, l'audience dans le procès des massacres du 28 septembre recommence aujourd'hui, d'un moment à l'autre donc. Alors, il faut dire que, comme vous l'avez aussi souligné, eh bien, le ministère public, mais aussi la partie civile, ont en tout cas agacé voilà, le président de l'ancien président de la transition sous le CNRD, CNDD plutôt, voilà. Aujourd'hui, le capitaine Dadis sera face au juge pour encore répondre aux questions de la partie civile, hein, la qui partie va poursuivre. Civile, une partie civile qui ne cesse de réclamer, qui ne cesse de dire haut et fort qu'il est responsable de ce qui est arrivé. Mais bon, cela appartient au juge au moment voulu, au moment en tout cas déterminant d'en juger de sa culpabilité ou pas, mais toujours est-il que c'est un procès quand même qui retient aujourd'hui l'attention de tous, puisque vous le savez, 13 ans après les faits, ce procès se tient alors qu'une tragédie avait été commise au niveau du stade du 28 septembre, plus de 150 Guinéens massacrés, des corps ensevelis, des femmes violées. Je pense que cela ne doit pas rester impuni. Aujourd'hui, on se réjouit que ce procès se tient. On va encore voir aujourd'hui le capitaine Dadis comment il va se comporter face aux questions de la partie civile. Je sais qu'il s'est senti agacé la dernière fois, des questions qui venaient de part et d'autre, mais ils sont dans leur rôle. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'on le questionne, parce qu'au moment des faits, il était quand même celui qui dirigeait la Guinée. Il est tout à fait normal que la partie civile l'accable de questions relatives justement aux faits pour pouvoir tirer quelque chose de clair dans ce procès. On va aller sur le terrain entendre Maître Pépé Antoine Lama, l'un des avocats du capitaine Moussa Dadis Camara. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour à vous, bonjour à vos collègues, bonjour à vos nombreux auditeurs. Bienvenue. Donc, alors, on l'a dit, allez-y, oui. Bouy. Alors, maître, après deux semaines de répit, le procès reprend avec votre client devant le tribunal. Dites-nous dans quel état d'esprit il revient pour affronter la partie civile qui reste tout à fait très focus sur le capitaine Dadis. Malgré les conditions de détention générale à la maison centrale, malgré la longue attente infligée au président Moussa Dadis et ses co-accusés,
Il apparaît ce matin dans le box des accusés très serein, avec un moral au beau fixe. D'accord. Oui, maître, est-ce que vous avez des nouvelles sur la commission rogatoire internationale envisagée par le ministère public? Pour ce que nous savons, la commission rogatoire établie par le doyen des juges d'instruction du tribunal de première instance de Dixin a été déjà expédiée au pays destinataire. Nous attendons de voir la suite. D'accord. Et quelle va, être à cette reprise votre ligne de conduite, puisqu'on a vu dernièrement que votre client avait quand même quelques soucis à contrôler son tempérament. Écoutez, je ne pense pas que le président Moussa Dadis n'a pas pu se maîtriser ou contrôler ses tempéraments. Le président Moussa Dadis a juste fait état de son agacement face à certains comportements discutoires, teintés de manque de respect et caractérisés par une haine et même une volonté de provoquer. C'est de cela qu'il s'agit. Et vous conviendrez avec moi que depuis le début de cette audience... Qui a de la haine contre votre client maître? Il doit quand même répondre aux questions. Oui, c'est pas de l'agacement, cela. Je ne parle pas de haine, maître. Personne n'a de la haine contre moi. Je parle de haine. Je sais de quoi je parle. Allez-y. Je sais de quoi je parle. Et vous conviendrez avec nous que depuis le début de cette affaire, le président Moussa Dadis a décidé de parler. Il a décidé de livrer sa part de vérité. Il a choisi de se prêter à toutes les questions, à répondre même à des questions qui n'ont rien à voir avec le dossier. Mais sauf qu'à un moment donné, il y en avait de trop et qu'il fallait, n'est-ce pas, recadrer les choses, ramener les gens à se focaliser à l'essentiel. Depuis le début de ce dossier, le président Moussa Dadis a fait preuve de courtoisie et même d'excès de courtoisie, tant à l'égard du tribunal qu'à l'égard de tous les acteurs impliqués dans la gestion de ce procès. Mais malheureusement, nous avions été très déçus de constater qu'à un moment donné, on avait tendance à penser qu'on avait affaire avec un sujet, avait affaire avec une personne qui ne mérite pas le respect, qui ne mérite pas de la considération. Quoi qu'on dise, le président Moussa Dadis a quand même eu le privilège de diriger ce pays pendant un certain moment, bien donné. Quelle que soit la leçon qu'on peut retenir de sa personne, il faut quand même le considérer en tant qu'un chef d'État, même s'il est accusé aujourd'hui, et le traiter comme tel. Ça n'a malheureusement pas été le cas. On a compris que certains ne viennent pas pour poser des questions dans le but de contribuer à la manifestation de la vérité. Ils viennent plutôt pour poser des questions avilissantes, des questions qui choquent, des questions qui irritent. Et c'est normal, oui, là, on alors, est... maître, je voudrais profiter de votre intervention de ce matin pour recueillir votre sentiment sur le prix décerné à Toumba Diakité. Je reviens, c'est la première question. Le prix décerné à Toumba Diakité, quel est votre sentiment par rapport à ça? Et la deuxième question, quel est votre sentiment sur l'ordonnance de non-lieu rendue en faveur du colonel Bienvenu Lama? Bon, en ce qui concerne votre première question, la défense du président Moussa Dadis considère ce trophée comme un non-événement. En aucune manière, cette distinction n'a de l'influence sur le cours normal de ce procès. Ce que vous ne savez pas, et ce que peut-être bon nombre de gens ne savent pas, quand on dit que vous êtes... la personnalité de l'année ne veut pas forcément dire que vous êtes la bonne personne ou vous êtes la meilleure personne. Peut-être que vous êtes la personnalité de l'année en matière de fausseté, en matière de mensonge, maître, en matière de manipulation. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Je n'ai pas dit que c'est le cas. Peut-être par votre capacité à transformer la vérité en mensonge ou le mensonge en vérité, ça peut être le cas. Ce n'est pas forcément dit que vous êtes la personnalité de l'année, que vous êtes une bonne personne. Donc ça ne vous pose pas problème. Écoutez, je vous rappelle qu'en 1938, Hitler a été déclaré par les lecteurs du journal célèbre américain New York Times comme étant la personnalité de l'année.
Vous allez me dire que Hitler est une personne glorieuse dans l'histoire. En 1942, Lénine a été aussi considéré la personnalité de l'année selon le même, les lecteurs du même journal. En 2004, malgré les bombardements en Irak et en Afghanistan, George Bush a été déclaré par les lecteurs du même journal comme étant la personnalité de l'année. Donc, c'est quelque chose qui ne nous ébranle pas. Ce n'est pas un drame, hein? Ce n'est pas un drame. Pour nous résumer. Nous estimons que ça n'a aucune incidence sur le dossier. Et à ce que je sache, la question que le lecteur ou le journal a proposée à ses lecteurs, ce n'était pas de savoir est-ce qu'il est coupable ou pas, c'était de savoir la personne qui leur a marqué. Il leur a marqué dans le bon ou mauvais sens, je ne saurais le dire, mais je ne peux pas admettre que l'octroi de ce prix ou de ce trophée soit interprété comme une certaine manière de consacrer son innocence. Mais est-ce que cela n'est pas un facteur de déstabilisation pour les autres accusés? Puisque quand vous êtes avec quelqu'un... Ça ne déstabilise pas la défense du président Moussa Dadis Camara, qui est très sereine. Et je ne crois même pas que ça pourra influencer le tribunal qui tirera sa conviction sur les éléments du dossier et des débats qui vont se dérouler à la barre de ce tribunal, et non le débat dans les cafés des maquis ou sur Facebook. Ce n'est pas ce qui intéressera le tribunal, c'est le dossier qui intéressera le tribunal. Maintenant, en ce qui concerne la question relative à l'annulation de l'inculpation du colonel Bienvenu et de sa liberté immédiate, mais écoutez, c'est le contraire qui aurait surpris, en tout cas les bons juristes, même pas que la défense du président Moussa Dadis Camara. Ce qui s'est passé dans l'inculpation et le placement en détention du colonel Bienvenu Lama est inédit. C'est une insécurité juridique qui ne dit pas son nom. Un parquet qui se lève matin bonheur, selon ses humeurs ou ses désiderata, qui se fabrique un procès verbal d'audition de témoins ayant requis l'anonymat, en violation frontale des dispositions légales à la matière, et saisit un doyen de justice pour dire qu'il y a un nouvel élément. Mais cette procédure a été démontée, critiquée, et le juge d'appel a, de façon minutieuse, annulé l'inculpation et ordonné la remise en liberté avec une motivation pertinente. La décision, j'ai eu le privilège de le lire, de la lire d'ailleurs, mais je pense qu'un bon juriste, un bon magistrat ne pourrait pas faire mieux que ça. Allez-y, Lincoln, pour terminer. Alors, maître, beaucoup estiment aujourd'hui que votre client, le capitaine Dadis Camara, évite toutes les questions liées à Marcel et puis à Pivi. De l'autre côté, par deux ou trois fois, le capitaine Dadis a dit qu'il n'a envoyé personne au stade, même Tchèkbro. Et pourtant, l'appel téléphonique de Tchèkbro qui passe le téléphone au leader présent au stade pour communiquer avec Dadis. Et si il dit qui n'a envoyé personne, même Tchèkbro, est-ce qu'aujourd'hui ça pose pas un problème dans la défense? Bon, vous avez la réponse dans la question que vous posez. Vous dites que, et on est tous d'accord, que le président Moussa Dadis n'était pas au stade. Il n'a envoyé personne au stade. Comment voulez-vous qu'il réponde à des questions sur la présence ou non de Marcel au stade? Il ne peut pas vous confirmer. Tout ce qui sait de cette affaire, c'est ce qui a été dit ici là-bas. Ce sont les ondits. Il n'était pas là pour confirmer ou imprimer la présence de qui que ce soit. Dire qui a fait quoi ou qui n'a pas fait quoi. Le président Moussa Dadis ne peut pas se permettre d'inventer des faits. Il ne peut pas dire des choses qu'il n'a pas vécues. Ce n'est pas possible. Il est en train de livrer sa version des faits. Il vous a dit que le 27, il est rentré de l'abbé fatigué. Il s'est endormi après avoir échangé avec le président Sidya Touré. Et le lendemain, très tôt le matin, il a été informé que des manifestants sont au stade. Il a voulu s'y rendre, on l'en a empêché. Et après, il apprend que son aide de camp, qui était parmi les personnes qui l'ont empêché, est sur les lieux. Il a pris des dispositions qui n'ont pas été mises en œuvre pour des raisons qu'il a déjà étayées. C'est ça sa version des faits. Vous voulez qu'il dise plus? Non, ce n'est pas possible. Voilà ce qu'on pouvait donc dire avec Maître Pépé Antoine Lamagra. Merci à vous, Maître, pour votre disponibilité. Merci à vous et merci au Pacicolo. Allez, l'émission continue. L'affrontement annoncé n'a pas eu lieu.
Oui, l'éléphant annoncé comme dans un magasin de porcelaine est arrivé avec deux pieds cassés. Tu fais bien de le dire. J'ai plutôt cru voir un éléphant de mer échouer sur la banquise. FIM FM, même pas peur. FIM FM, le supplément, l'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM, le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Dans un instant, donc, la prise de parole de Maître Amadou Desba, avocat de la partie civile. Mais bien avant, Khalil, on a écouté Maître Pépi Antoine Lama. Oui, on a écouté Maître. Je retiens de son intervention d'abord sur l'aspect du colonel Bienvenu Lama. Il a tout à fait un avis acceptable sur ces points quand il dit que le nouvel élément dont il était question n'était pas fondé parce que déjà le colonel Bienvenu Lama avait fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu et qui avait déjà acquis la force de se juger, sauf qu'après par la grande surprise il a été inculpé à nouveau et on peut penser que même l'appel qui a été engagé ne pourra pas prospérer dans la mesure où il n'y a pas de nouveaux éléments pouvant justifier son inculpation. Maintenant sur le cas général Sékouba Konaté, C'est quand même surprenant que jusque maintenant il n'y a pas de grandes choses à ce niveau, parce que moi je m'attendais à ce qu'on nous dise peut-être que Sékouba Konaté est en train d'être auditionné maintenant, parce que c'est un suspect, si vous voulez, suspect fondamental dans ces affaires. Il est cité par le capitaine Moussa Dadis Camara, qui est aussi considéré comme l'aspect comme l'accusé quand même clé des événements du 28 septembre. Alors si celui-ci aussi accuse une autre personne, s'il serait important d'engager des enquêtes sérieuses à ce niveau, il ne reste que l'entendre. On a l'impression qu'il y a des gens qui ne souhaitent pas voir Konaté à la barre. Hein? C'est tout à fait évident. On ne souhaite pas entendre Sékouba Konaté. Et je crois que dans les jours à venir, on saura réellement qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi jusque maintenant, le dossier, la procédure tarde à être réalisée au niveau de Sékouba Konaté. Maître Amadou Desba est en direct. Bonjour et bienvenue, maître. Bonjour à vos auditeurs. Allez-y Lincoln pour la première question. Alors, avec la reprise, Maître DS, est-ce que la partie civile a des nouveaux éléments pour pouvoir certainement, pourquoi pas, coincer entre griffes le président Dadis, qui ne parle pas beaucoup et qui refuse de répondre à certaines questions? Est-ce que la division est finie, Maître, pour commencer? Écoutez, nous avons suffisamment d'éléments et nous sommes très nombreux parce que à la partie civile, nous sommes près d'une vingtaine. Donc, mes confrères vont poursuivre l'interrogatoire aujourd'hui à la barre. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons beaucoup d'éléments, nous avons encore obtenu beaucoup d'informations parce que les gens s'intéressent énormément à ce procès. Beaucoup d'informations ont été portées à la connaissance des avocats de la partie civile. Et je crois que le refus de M. Moussa Dadis Camara ne changera rien en ce qui concerne notre stratégie de l'interrogatoire. Dans tous les cas, nous lui poserons des questions et vous verrez à la barre que nous avons beaucoup d'éléments. Et il sera certainement confondu. Mais la défense qui est divisée, parce que la défense est divisée, les avocats de Dadis ne s'entendent pas avec ceux de Toumba. La partie civile aussi connaît une division suite à cette position exprimée par Monsieur Amidou Bari, votre professeur. Comment vous avez arrangé tout ça entre vous? Ouh, il y a encore des bisbilles. C'est la guerre qui continue? Écoutez, il n'y a pas de division au niveau des partis civils. On peut peut-être parler d'incompréhension entre un confrère et des organisations de la société civile qui ont accompagné des victimes pendant toutes ces années. Le plus important, il a porté ses accusations contre des organisations qui pourront se défendre comme elles le souhaitent. Mais en ce qui concerne la ligne de conduite à la barre contre les accusés, je pense qu'à ce niveau, il n'y a aucune division puisque nous concourons tous à ce que la vérité jaillisse et que les responsables de ces événements-là soient punis. Ce n'est pas l'impression qu'une partie de l'opinion a, maître. On pense que la partie civile ne veut pas voir Konaté comparaître, maître. Et c'est là toute la question, parce qu'on sent de la division entre vous. Moi, je suis très surpris que des personnes pensent que c'est les partis civils qui refusent la comparution de Konaté. Il faudrait peut-être que les gens s'informent, puisque la poursuite est la responsabilité du parquet. Ce n'est pas les partis civils qui poursuivent les accusés, ce sont les procureurs. Dès lors que les procureurs poursuivent, une partie civile ne peut en aucune manière
empêcher que quelqu'un soit poursuivi. Et que cela soit clair pour tout le monde. Puisqu'on a tendance à dire que c'est la FIDAS n'a aucun pouvoir, n'a aucune responsabilité dans la non-poursuite de M. le général Sékouba Konaté. La dernière fois, il y a eu des débats à la barre. C'est malheureux. Moi, je ne vais pas me mettre à commenter des errements. Mais ce qui est important, il ne faut pas qu'on déplace le débat. La poursuite de M. le général Konaté n'incombe pas au parti civil. C'est au parquet de le poursuivre. Maître, ça c'est étonnant, d'autant plus que la partie civile peut réclamer cette comparution. Écoutez, réclamer la comparution est une chose, mais ce n'est pas nous qui poursuivons. Nous avons réclamé la comparution du général Konaté. Nous avons fait 5 demandes d'actes où il est mentionné noir sur blanc que le général Konaté soit inculpé, ainsi qu'une centaine d'autres personnalités de ce pays. Parce que nous avons demandé à ce que tous les responsables au moment du CNDD qui occupaient des postes ministériels, des postes au niveau sécuritaire, que toutes ces personnes-là soient inculpées au même titre que ceux qui sont renvoyés devant le tribunal criminel. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Nous avons réitéré ces demandes. Ces demandes sont versées dans le dossier. Alors comment voulez-vous qu'on accuse des organisations d'avoir refusé de poursuivre ces combats pour la C'est archi faux. Ces demandes d'actes en font quoi? Si les juges d'instruction n'ont pas poursuivi le général Konaté, cela ne peut pas être la responsabilité des partis civils. Nous avons même exercé un recours en cassation. Quand Bienvenu Lama et le général Mathurin ont été exclus de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal criminel. Qu'on arrête d'accuser gratuitement des partis civils. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les journalistes que vous êtes, vous vous approchez des hommes de l'art, des juristes, pour comprendre quel est le rôle. Non, mais maître, on ne vous accuse pas. On connaît le rôle. On connaît le rôle du parquet, maître. Maître Diès, on ne vous accuse pas. C'est des faits aussi que nous sommes en train de relayer. Ça empêche que le général Konaté soit poursuivi. C'est archi faux. On ne peut pas empêcher quiconque d'être poursuivi. Oui, maître Diès, on est en train de relayer l'inquiétude des auditeurs. On ne parle pas pour nous. En tout cas, on même vous si nous pas. Savons, les questions qui viennent, c'est des questions qui viennent de l'opinion qu'on vous pose pour que l'opinion soit éclairée. Allez-y, alors, Yaya. Je voulais juste poursuivre, maître Diès, par rapport à cette décision concernant le colonel Bienvenu Lama. Quelle est la réaction de la partie civile? Écoutez, nous avons déjà exercé, j'ai fait une déclaration de pourvoi le vendredi dernier, qui sera appuyé par un mémoire. Donc, nous opposons à cette décision parce que nous pensons qu'elle est illégale et dénuée de tout fondement juridique. Parce que nous estimons que la Chambre de contrôle d'instruction a créé une véritable confusion entre un supplément d'information initié par le parquet en raison du fait qu'il y a des charges nouvelles et une procédure d'information qui aurait été initiée actuellement. Or, c'est le même dossier, donc cette confusion n'a pas été décelée par la Chambre d'instruction. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes pourvus en cassation. Et nous espérons qu'à la Cour suprême, ce terrain sera cassé et que M. Bienvenu Lema, comme ses autres co-accusés, viendra répondre de ses actes devant le tribunal criminel de justice. Oui, mais tout à l'heure, pour la reprise du procès, vous disiez que vous avez des nouveaux éléments. Est-ce qu'à ce stade, vous pouvez nous communiquer quelques-uns de ces éléments? Écoutez, nous ne pouvons pas quand même vous donner. Nous voulons surprendre l'accusé qui est à la barre. Autrement, c'est de donner toute bien la évidemment. Stratégie à l'antenne. Bien évidemment. Voilà, donc nous gardons cette stratégie et vous serez informé au même moment que l'accusé qui sera interrogé à la barre. Et vous en avez pour longtemps encore, bien. La partie civile, maître? Écoutez, il y reste une dizaine de confrères. Nous pensons que ces confrères poseront toutes les questions en lien avec cette affaire. C'est parti pour toute la semaine, donc. Écoutez, nous prendrons tout le temps nécessaire pour pouvoir poser toutes les questions qui sont importantes dans ce procès. Parce que n'oublions pas qu'il est question de l'assassinat de plus de 150 personnes, de viol de 109 femmes. Donc, on ne peut pas, sous prétexte d'être pris par le temps, escamoter ce dossier. Nous allons poser toutes les questions nécessaires pour que M. Moussa Dadis Camara soit reconnu, en tout cas avec ses co-accusés, reconnu coupable des faits. Nous apprenons que le capitaine ne souhaite plus, en tout cas, être en face de l'avocat DS Ba ou répondre aux questions de l'avocat DS Ba. Écoutez, je pense que certainement Noël a pu quand même le faire revenir à la raison parce que vous savez, l'année a changé. Nous étions en 2022 et je pense qu'il est revenu avec de nouveaux sentiments parce que il est certainement conscient aujourd'hui qu'il est poursuivi au même titre que les autres accusés. Moi, je reviendrai lui poser des questions et j'espère qu'il va répondre parce que dans tous les cas, s'il ne répond pas, le tribunal en tirera les conséquences et moi, je n'ai aucune crainte à ce niveau. Oui, mais ses avocats estiment que vous lui manquez de respect.
je n'ai jamais manqué Moussa Dadis Camara du respect, parce que tous les termes que j'ai employés ne sont ni choquants ni offensants. Et le président l'a réitéré à l'Abama. Je pense que ce sont ses avocats qui ont créé de la surenchère et il est tombé dans le panneau. Moi, je pense que toutes les questions que je lui ai posées étaient en lien avec l'affaire. C'est lui-même qui a évoqué l'affaire du général Lansana Conté, qui a évoqué beaucoup d'autres aspects sur lesquels j'étais en plein droit de revenir. Moi, j'ai posé des questions sur ces faits. Donc, s'il s'est enflammé, il a voulu créer de l'incident. Je pense qu'il a été suffisamment rappelé. Par non, maître, pas enflammé. Le mot est fort, pas enflammé. Peut-être il s'est énervé, il s'est mis en colère. Ce n'est pas un drame, ce qu'il dit. Continuez, maître. Ils se sont tous enflammés. Donc, moi, je pense qu'il doit revenir sur terre, savoir qu'il est devant un tribunal criminel. En tout cas, ça ne plaide pas en sa faveur de s'énerver contre les avocats, parce que nous ne sommes pour rien. Lui qui allait donner des instructions pour que les gens soient tués au sol. Mais de répondre aux questions qui sont en lien avec sur ces faits. Ne dites pas qu'il a donné des instructions, maître. Sa culpabilité n'a pas été établie encore, maître. Il a donné des instructions. Nous avons les preuves palpables. Nous avons des témoignages qui font état des instructions qu'il a personnellement données pour que les crimes soient perpétrés au stade. D'accord. En quoi maître Desba est encombrant devant ce tribunal pour en tout cas les accusés de l'autre côté? Est-ce que vous avez été une fois interpellé par vos confrères de la défense par rapport à tout ce qui se passe de ce côté, notamment maître Pépé Antoine Lama qui est votre ami? Non, vous savez, maître Pépé Antoine Lama, il est plus virulent que moi, donc je pense qu'il ne peut pas m'interpeller sur des questions aussi mineures. Ah bon? Je pense qu'aucun ne m'a fait de... Oui, mais nous savons tous comment nous plaidons dans les tribunaux, et je pense que je suis dans mon rôle de bousculer, si je peux ainsi m'exprimer, M. Moussa Dadis Camara. Donc je pense qu'il va arriver à de meilleurs sentiments. Soyez rassurés que je ne manquerai de respect à aucun des accusés, parce que pour moi, il s'agit d'être humain. Mais je ne laisserai personne me dicter ma conduite à l'audience. Je poserai toutes les questions en lien à ces faits et personne ne m'impressionnera à cette part. Que cela soit clair et net. Maître Amadou Desba qui affiche donc sa détermination à poursuivre sur sa ligne de conduite actuelle. On vous laisse partir, l'audience devrait commencer d'un moment à l'autre. Grand merci à vous, maître. Merci à vous. On l'a écouté, hein? Très rapidement. J'attends le retour de maître Pépé Antoine Lama contre mon ami Dès. Hein. On a écouté maître Dès. Je pense qu'il est dans son rôle. Hein. Il relève de la partie civile. Il est dans son rôle, en tout cas, de poser les questions et toutes les questions au capitaine Moussa Dadis Camara. Mais pas manquer du respect. Jusqu'à preuve du contraire, je pense qu'il n'a pas manqué de respect. Quand il dit s'enflammer, déjà. Bon, d'accord. Moi, je voulais quand même rectifier le tir. Mais bon, je pense que ça, c'est minime. C'est minime. Arrêtez de dramatiser. Ça veut rien dire. C'est pas grand chose, ça, Khalil. On va s'écouter. C'est pas grand chose. Moi, je dis que maître Desba, il est tout à fait dans son rôle, dans son droit. Il doit poser les questions et toutes les questions, en tout cas, au capitaine Moussa Dadis Camara, parce que cela va permettre justement à la manifestation de la vérité concernant la partie civile, puisqu'ils sont là pour défendre les victimes. Ils sont dans leur rôle. C'est tout comme le ministère public ou les avocats de la défense qui défendent Mordoukus, eh bien le capitaine Dadis Camara qui le présente aujourd'hui comme n'étant pas mêlé à ces atrocités, à cette tragédie du stade du 28 septembre. Eux aussi, ils sont dans leur rôle. L'un dans l'autre, je pense que le tribunal est conduit par un président serein, jusqu'à preuve du contraire. En tout cas, maître Tunkara, il est serein, le président de ce tribunal. Impassible. J'espère que les débats vont davantage nous permettre de comprendre ce qui s'est passé, quels sont les véritables commanditaires de ces atrocités au stade du 28 septembre, puisque force doit rester à la loi. Ce qui s'est passé au stade ne doit pas rester impuni. 150 Guinéens tués, des Guinéens qui n'avaient même pas d'armes, qui étaient partis manifester, en tout cas assister à une sensibilisation à l'appel des forces vives de la nation. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter qu'on les tire à bout portant? Je pense que la vérité doit jaillir. Il faut vraiment poursuivre ce procès pour que les véritables coupables soient identifiés à l'issue de ce procès et qu'ils soient condamnés à la hauteur de leur forfaiture. Adjaray. Oui, je pense que ça doit se poursuivre dans les règles de l'art, mais il faut faire très attention à ne pas se précipiter, parce que le cas du colonel Bienvenu Lama en est une illustration parfaite. Je pense que c'est un procès qui est très ambigu, il faut faire très attention, il ne faut pas se précipiter. Nous avons tout le temps, il faut aller doucement, nous avons tout le temps
qu'il faut pour pouvoir faire la lumière dans ce dossier. Yaya, pour... Oui, bon, moi je considère que Maître Amadou Desba a d'ailleurs fait preuve d'élégance lorsqu'il a eu le capitaine en face de lui. Pour un avocat, quand même, le vocabulaire utilisé, je pense que c'est adapté. Il n'y avait pas des mots déplacés. Et d'ailleurs, les rares fois où le capitaine a voulu qu'il y ait affrontement, je pense que lui, il est resté serein. Il a fait preuve de sérénité et de grandeur. Il n'a pas forcé, il n'a pas insisté. Mais il a voulu quand même montrer à l'opinion qu'il voulait l'amener quand même à dire la vérité, à sortir de son carcan, à sortir de ses gonds. Mais il n'a pas amené le bouchon jusqu'à un niveau quand même qui n'est pas inacceptable. Je considère que c'est dans l'ordre normal des choses. Le procès va se poursuivre. Pour l'instant, je pense qu'il y a plus de peur que de mal. Même s'il n'a pas cité nommément Maître Hamidou, on sent quand même cette division. Oui, au sein de la partie civile. Oui, bon. Même si Maître Paul Yomba parle de règlement de compte de la part de Maître Hamidou aussi, hein, qui a été exclu, il faut le rappeler, des avocats de la défense des victimes. Oui, moi, je pense que Maître Dess a fait un témoignage très important qui, aujourd'hui, pourrait beaucoup aider l'opinion. Puisque nous estimons que cet incident-là concernait pratiquement les avocats de la partie civile. Non, ce n'est pas le cas. La colère de Maître Hamidou, c'est contre... Pour lui, des organisations qui auraient œuvré à ce que M. Konaté ne soit pas concerné par la procédure. Mais aujourd'hui, on a tous dit que c'est peut-être une division entre les avocats, mais on comprend clairement que ce n'est pas la division entre les avocats, mais entre un avocat de la partie civile et les organisations qu'il accuse d'avoir aidé un homme ou... Les avocats sont issus de certaines de ces organisations, hein, attention. Oui, non, mais pas tout le monde. On parle de l'OGDH, de l'AFIDH. Non, pour le moment, c'est plus la FIDH qui est concernée par les accusations. Ce sont ces structures qui ont appuyé. Hein, par les accusations de Maître Hamidou Bari, c'est la FIDH, pas l'OGDH. Je pense qu'il ne comprend pas trop. C'est que... Il se perd, là. C'est le fait que la partie civile, elle n'a fourni aucun effort pour la comparution de Ségouba Konaté. Il vient de répondre tous les efforts qu'ils ont fournis, mais ce n'est pas la partie civile qui poursuit. Il revient au parquet de faire. Le procès, il est public. Non, Khalil. Le procès, c'est intéressant. Khalil parler, non, c'est intéressant. Non, le monsieur vient de parler. Il a parlé de toutes les notes, plus de 5 notes qu'ils ont écrites. Hassan, on peut couper le micro de Lincoln. Mais pratiquement, je veux dire, aujourd'hui, tout le monde sait qu'on est dirigé, concentré, je parle bien de la partie civile, sur un camp. Le camp, c'est Moussa Dadis Camara. Et c'est ce qui étonne aujourd'hui tout le monde. Est-ce que Toumba Diakité, il était autant sain que cela? Depuis d'ailleurs sa comparution, vous voyez que les accusations de la partie civile ont disparu. Maintenant, tout le monde va vers Moussa Dadis Camara. C'est lui qui est à la barre. C'est vrai, c'est le parquet qui engage la poursuite. Mais la partie civile, elle porte plainte. Et puis, elle appuie aussi sa plainte. Si réellement, aujourd'hui, on ne fait pas comparaître Ségouba Konaté, on aurait voulu quand même entendre la partie civile insister parce que là-dessus. L'objectif, c'est la manifestation de la vérité. Ce n'est pas la condamnation d'un homme. Mais on a l'impression aujourd'hui que tout ce que cette partie civile cherche dans ses procès, vous êtes d'accord avec c'est Maître la condamnation. Hamidou je ne connais pas la position de Maître Hamidou sur cette question, mais ce que moi je veux, que la partie civile se concentre sur la manifestation de la vérité, que sur une personne, que sur un accusé dans ces procès. Un mot là-dessus. J'espère que Khalil ne comprend pas. Tout à l'heure, Maître Desba a parlé. Pour eux, ils se battent à ce que tout ce qui était responsable à l'époque sécuritaire ou les membres du CNDD vraiment soient présentés. Il l'a dit. Donc ça veut dire qu'ils ne fournissent pas d'efforts pour Sékouba et autres personnes. L'effort continue, mais puisqu'ils n'ont pas le pouvoir de poursuite, qu'est-ce qu'ils peuvent? C'est mettre juste de la pression et c'est ce qui est en train de se passer. Ils n'ont pas lâché. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur le dossier concernant donc cette reprise ce matin du procès du massacre du 28 septembre. À suivre donc les détails avec notre spécialiste des questions judiciaires, Sékou Diatéa Camara. Nous y reviendrons sans doute demain. Pour l'heure, nous marquons la pause. À venir, nous parlerons de la CRIEF et notamment du procureur Ali Touré qui souhaite une rallonge de délai au niveau des codes de procédure. Nous donnerons également la parole à Pépé Francis Abba, le président de l'IGDD et membre de l'ANAD. Nous revenons. FM.
Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB Multi-Industrie. La marque de la qualité. La qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai acheté. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. We'll be right back.
Mariamba. Bienvenue à tous. Sauf changement de dernière minute, la chambre de l'instruction de la CRIEF statuera jeudi prochain sur la demande de mise à liberté de l'ancien président de l'Assemblée nationale. En tout cas, c'est qu'a annoncé nos confrères du site Mosaïque Guinée. L'audience devrait se tenir le 5 janvier dernier avant d'être reportée depuis un certain temps maintenant. Amadou Damaro Camara est hospitalisé depuis au CHU Ignace-Dine. Il souffre d'une insensibilité de ses orteils qui affecte grièvement son état de santé. Dans un autre dossier, Amadou Damaro Camara et quatre autres personnes sont accusées de faits présumés de détournement de deniers et publics. L'île Maurice subit en ce moment même l'une des périodes les plus sèches de son histoire. Les pluies d'été se font attendre depuis septembre pour faire face à cette situation critique. Les autorités imposent un nouveau régime de restriction d'eau potable et la police verbalise désormais les gaspilleurs. En même temps, les critiques pleuvent sur le fournisseur national de l'eau potable. Le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, reconnaît des propos maladroits qui ont créé un malentendu concernant Zinedine Zidane et qui tient à présenter ses excuses personnelles, a-t-il affirmé ce lundi dans une déclaration à l'AFP. « Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », affirme le patron du football français au lendemain de déclarations polémiques portant sur l'ancien numéro 10 des Bleus, ex-entraîneur du Real Madrid. C'est tout pour ces infos. Merci de votre attention. FIM FM, de l'info non-stop, pour que rien ne vous échappe. Mon choix, ma confiance, pour moi et pour ma famille, c'est ODAB, multi-industrie. ODAB, Bomi, la marque de la qualité. Vous n'avez pas de matériel, vous? Ma perceuse déconne. Il n'y a pas longtemps depuis que je l'ai achetée. Il y a trop de contrefaçons dans ce pays-là. Ah, tu ne connais pas la boutique Total Outillage à Koloma? Ne cherchez plus ailleurs. Total Outillage est là pour vous. Nous vous proposons une gamme de matériel de travail répondant à vos attentes. Des outils comme des perceuses à percussion, des lames de coupe carreau, des générateurs à essence, des régulateurs de tension automatique, des chaussures et masques de sécurité, des ciseaux à bois entre autres. Avec Total Outillage, vous avez la solution à vos soucis. Je me rappelle encore comme si c'était hier. Je me levais tôt espérant voir papa partir travailler. Avec sa mallette, il me tapotait toujours la tête me disant que j'étais le meilleur et il fallait que je protège maman jusqu'à son retour. Hier, Mouna Cyber en accompagna mon père avec son centre informatique. Aujourd'hui, comme opérateur télécom, Mouna Group Technologies s'adapte à mon temps et c'est un homme accompli et heureux que j'arrive à me surpasser dans mon milieu familial et professionnel. J'ai finalement décidé d'être le meilleur et pour ça, il faut être avec les meilleurs. Je suis le fils de mon père, je suis exactement comme lui, mais légèrement différent. Et le meilleur cadeau qu'il m'ait jamais offert était le cadeau du temps et je lui reste fidèle. Plus d'infos, contact @mounagroup.com. Téléphone plus 224 628 34 01 01. Mouna Group Technologies, nous faisons mieux. We'll be right back.
supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le débat politique ne s'arrête pas sur FIM FM. L'actualité sociopolitique déclinée et décryptée par notre rédaction politique en compagnie des experts et des spécialistes. Arisset Tousseau. Encore quelques réactions avant de poursuivre notre émission. On commence avec Abdourahmane Sinki Diallo qui nous écrit ce matin. Bonjour Adissatou et un bonjour particulier à mes parents de Sinki, de Sagalé, de Mouminia et de Teluel. Toutes les personnes citées dans cette affaire doivent être entendues pour aider la cour à la manifestation de la vérité et plus jamais ça dans notre pays. Abdourahmane Sinki, chargé de communication de la Fédération modèle de Ratoma. On enchaîne avec Mouktar Bantigel qui nous écrit également. S'il n'y a pas de contrôle technique sur les véhicules, alors il y a des accidents qui vont se produire parce qu'on ne respecte pas la masse maximale autorisée. Donc c'est normal qu'il y ait une crevaison de pneus qui dépasse l'âge circulaire sur la chaussée Péalerama. On enchaîne avec Sana Fatoumata Kamara qui nous écrit. Il dit ceci, bonjour à Adissatou et bonjour à toute l'équipe du jour. Paix à l'heure à mon enchaîne avec un autre Amadou Mouktar Diallo qui nous écrit également ce matin. Bonjour à Adissatou et à toute l'équipe des chroniqueurs de FIM. Je vous informe que le dernier bilan fait état de 54 morts et une centaine de blessés. C'est Amadou Mouktar Marley Diallo depuis Dakar. On enchaîne avec Tidiane Botegaba qui nous écrit également. Bonjour Adissatou, moi c'est Tidiane Botegaba du club FIM Cameroun. Bonjour à M. Mouktar Lopi et bon retour à Doyen Mamadou Diambaldé qui a passé ses vacances avec nous ici. Et chapeau à Abassamba Dramé, le vice-président de la communauté guinéenne qu'il a hébergé pendant quelques semaines, Tidiane Botegaba, depuis Douala au Cameroun. On enchaîne avec qui exactement? Thierry Le Madrilène Baldé qui nous écrit. Thierry Le Madrilène Baldé, donc de la plateforme des auditeurs de FIM Guinée. Bonjour à Issatou et bonjour à tous. Bonjour à mes parents de Bataba, d'Andjari Labé. Félicitations à Dongol Touma pour la qualité de l'organisation lors de cette finale hier. Même si les réunions des associations agréées par l'État sont interdites au CNRD. À nous de dire qu'est-ce qui est autorisé maintenant pendant cette transition. Ce qui se passe actuellement est vraiment déplorable. La transition va passer, mais le Guinéen reste. Bonne journée à vous. D'autres réactions avec Boulokada Touraman qui dit ceci, les anciens dignitaires du régime d'Alpha Condé n'ont rien détourné dans ce pays. Ils n'ont fait que servir le peuple souverain de Guinée. L'ex-légionnaire français doit libérer nos cadres incarcérés injustement à la maison d'arrêt de Conakry. Madame Toute, mes félicitations à vous pour votre nomination et les chaleureuses félicitations à Tanti Garay Girassi pour sa nomination. On enchaîne avec une autre réaction. Bonjour Adissatou et bonjour à tous. Permettez-moi de dire bonjour au coordinateur national du FNDC, Fonique Menge, et à Ibrahim Diallo, prisonnier politique de Charles Wright, et son patron Mamadi Doumbouya. Adissatou, la drogue couche, fait des ravages dans notre pays. Abdourahmane Sanou, ancien coordinateur national du FNDC, sera ce matin devant un juge du tribunal de Mafanko pour participation délictueuse à une réunion non déclarée. Cette nouvelle infraction inventée par Charles Wright comme pour dire que l'homme était un inconnu connu. On a l'impression que Charles Wright cherchait juste à être nommé ministre et s'il était ministre sous Alpha Condé, il allait faire pire que Sidi Souleymane Diaye à l'époque. C'est signé par Général Baldé, FNDC et modèle. On enchaîne avec Aboubakar Bigop Kaba qui nous écrit également. Bonjour Adissatou et à toute l'équipe. Au nom du président Dr Ousmane Kaba et celui du PADES, nous présentons nos condoléances les plus émues à Mamadou Diallo, à ses proches et à tout le groupe Fréquence Média suite au décès de son papa et également réitérer nos amitiés et compassion au peuple frère sénégalais suite à ce drame. Pour terminer, je voudrais aussi vous féliciter par rapport à votre nomination et tous ceux et toutes celles qui ont bénéficié des promotions. Bon début de semaine à vous. Merci. L'émission continue. FIM FM 95.3, c'est l'intersaison avant la grande rentrée du 16 janvier 2023. FIM FM à votre service. FIM FM. FIM FM. Même pas peur. FIM FM, le supplément. L'art de disséquer, de retourner l'actualité sous toutes ses coutures. C'est aussi la magie de la dialectique constructive en vue d'une Guinée nouvelle. FIM FM.
le supplément d'énergie positive pour une Guinée émergente et vertueuse. FIM FM, FIM, le supplément. Le supplément d'ensemble. Khalil, on s'intéresse à présent à la Cour de répression des infractions économiques et financières, CRIEF, et son procureur spécial, Ali Touré, qui dit être confronté à des difficultés, notamment d'ordre procédural. Oui, à Arisatou, il faut le rappeler, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a effectué des visites dans plusieurs juridictions de Conakry le week-end dernier. Alors, arrivé au niveau de la CRIEF, il a donné des instructions en ce qui concerne la mise en application de la politique pénale du gouvernement. Cela aussi n'est pas resté sans réponse, parce qu'au niveau de la CRIEF, le procureur spécial Ali Touré a aussi soulevé quelques difficultés auxquelles son parquet est confronté. Alors, si je peux soulever ces difficultés, il s'agit entre autres, pour un premier temps, Ali Touré dénonce donc des difficultés qui sont d'ordre procédural, surtout au niveau de la CRIEF. Selon lui, donc, l'enquête financière dont il est question devrait s'étendre un peu contrairement au délai qui est prévu par le Code des procédures pénales. Donc, en conséquence, Ali Touré demande une rallonge du délai de la procédure. Ali Touré a également soulevé une autre difficulté, c'est la difficulté liée à la formation des magistrats de la CRIEF. Concernant les procédures, ça veut dire quoi exactement je quand il demande une... Allez-y. Je reviens là-dessus. Maintenant, l'autre question, difficulté signalée aussi, c'est la formation des magistrats. Parce qu'il se trouve aujourd'hui que les magistrats de la CRIEF ne suivent aucune formation, contrairement à ce qui devrait être le cas. Alors, en ce qui concerne le délai de la procédure, vous savez que d'abord, quand vous prenez l'article 235 du Code des procédures pénales, il est prévu pour la mise en détention provisoire des personnes mises en cause. Et la durée est de 4 mois. Maintenant, exceptionnellement, cette durée peut être prolongée à un autre délai de 4 mois. Mais il y a aussi une exception. Il faut préciser pour les infractions dont la condamnation de 3 ans. Non, pas pour les infractions dont la condamnation est de 3 ans, mais en matière correctionnelle. D'accord. C'est en matière correctionnelle, le délai de la détention provisoire est de 4 mois. Maintenant, exceptionnellement, ce délai peut être prorogé. Mais en ce qui concerne des infractions pour lesquelles les casseroles sont poursuivies, notamment les délits économiques, il faut dire que à cette même disposition, il est prévu que le délai peut être prorogé à 12 mois. Alors aujourd'hui, quand Ali Touré demande une prolongation, une rallonge du délai de la procédure, on peut bien être amené à se poser des questions, à savoir est-ce que le magistrat il est prêt aujourd'hui pour la mise en liberté des personnes inculpées, des personnes qui sont donc à la maison centrale de Conakry, notamment Kassori, Dr Diané et autres. Alors, parce que quand il dit de rallonger le délai, ce qui veut dire que même dans 12 mois prévus, autorisés par la loi, il ne serait pas en mesure, même pas lui, même pas la chambre d'instruction de la CRIEF, ne serait pas en mesure de présenter ces inculpés devant la juridiction des jugements. Alors, il anticipe déjà, il informe déjà le ministre de la Justice à ce que le ministre de la Justice essaye de voir. Parce qu'il faut aussi rappeler qu'il y a actuellement un projet de loi en cours sur la CRIEF. Est-ce que l'intention finalement n'est pas d'instaurer dans cette loi, dans ce projet de loi, une rallonge des délais? Parce que le délai qui est dans le Code des procédures pénales, comme je l'ai signalé, est insuffisant pour le magistrat. On parle de 4 mois renouvelables. On parle de 4 mois. Les casseroles ont déjà fait 8 mois. Ils ont fait 8 mois. Ils ont fait 8 mois. 9, bientôt. Ils ont fait 8 mois. Alors, ça, c'est déjà le maximum. Mais pour les délits comme le détournement de deniers publics, le délai peut aller jusqu'à 12 mois. Donc, quand Ali Touré demande une rallonge du délai de la procédure, ce qui veut dire que même à 12 mois, je ne sais pas si vous comprenez un peu ma logique. Nous comprenons. C'est ce qui veut dire même à 12 mois, il ne serait pas en mesure de présenter, je parle bien aussi de la chambre d'instruction de la CRIEF, il ne serait pas en mesure de présenter les casseroles et autres devant la juridiction de jugement. Alors que quand le délai là arrive à terme, le principe voudrait que les personnes arrêtées soient mises en liberté parce qu'on estime que vous n'avez pas d'éléments concrets, vous n'avez pas de preuves contre eux. Alors maintenant, il faut dire clairement
que le ministre ne peut pas le faire à travers un arrêté, il ne peut pas le faire à travers tout autre acte, il ne peut le faire qu'à travers une loi. Alors, je ne sais pas si le ministre va prendre ses réquisitions en cours, mais il faut quand même craindre de ce qui est en cours, parce que il y a déjà une loi qui prévoit la procédure et la CRIEF ne devrait pas, aucune loi de la CRIEF ne devrait échapper aux dispositions déjà prévues par la loi. C'est-à-dire que tout est déjà prévu par le code des procédures pénales. Maintenant, on peut aussi comprendre cette demande. Mm-hmm. On parle quand même. On parle de délit économique. Il faut prendre le temps. Le législateur n'est pas bête. Le législateur a déjà prévu tout cela. C'est pourquoi je vous ai soulevé cette exception. On dit que quand c'est le délit de détournement des deniers publics, c'est 8 mois le délai maximum. Mais exceptionnellement, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépasser les 8 mois. Mais exceptionnellement, lorsque c'est le délit de détournement des deniers publics, vous pouvez aller jusqu'à 12 mois. Maintenant, si c'est court, on peut bien décider. Comment vous voulez ça peut être ce qu'il faut craindre, ce que moi je crains aujourd'hui, il ne faut pas faire des lois à nos humeurs, il ne faut pas faire des lois à nos politiques, parce que c'est ce qui est à l'horizon. L'objectif aujourd'hui c'était de savoir réellement est-ce que les personnes arrêtées sont coupables ou pas, est-ce qu'il y a des éléments concrets contre eux pour que réellement la justice se prononce sur leur culpabilité. Mais si vous n'avez pas d'éléments contre eux, la logique voudrait que vous les remettez en liberté, mais vous ne pouvez pas initier une autre loi pour rallonger le délai, c'est-à-dire maintenir encore ces mêmes personnes en prison. C'est pas un crime, c'est grave. C'est comme le cas de M. Alpha Condé, c'est-à-dire que quand il a constaté que son mandat, je vous donne juste un exemple, il a constaté que son mandat arrivait à terme et la constitution qui était en vigueur ne lui permettait pas de briguer un troisième mandat, il a initié la révision de la constitution, le changement de la constitution. Donc c'est le même cas que Ali Touré et le ministère de la justice probablement envisagent de faire. On ne devrait pas le faire comme ça, parce que déjà il y a la loi, comme je l'ai dit, le code des procédures pénales est applicable à la procédure engagée au niveau de la CRIEF. Donc il faut respecter cette loi, il ne faut pas le faire pour faire mal ou régler des comptes avec des personnalités. Si vous n'avez pas d'éléments, vous avez estimé que vous avez arrêté des gens, d'ailleurs c'est une procédure qui est partie De la procédure de flagrance. Vous avez tous constaté, on a arrêté des Kassori, des docteurs Diané, c'était une procédure de flagrance. Ce qui laisse croire qu'il y a des indices, il y a des éléments probants pour procéder, parce que quand on parle de la procédure de flagrance, vous interpellez une personne, le juge d'instruction ou le procureur de la République l'interpelle et vous le transférez directement devant la juridiction des jugements. C'est clair, ça va rapidement. Maintenant, quand vous retardez ces délais, vous avez déjà raté la procédure de flagrance, vous avez engagé une ouverture d'information judiciaire, cela a été fait et jusque maintenant, il n'y a pas de preuve. Je pense qu'il faut être beaucoup plus objectif sur ces dossiers. Pour terminer sur le cas de la formation des magistrats, vous savez, je l'avais signalé ici la dernière fois, que la loi sur le statut des magistrats prévoit même non seulement la formation des magistrats, mais aussi la spécialisation des magistrats. Ça montre clairement que des magistrats aujourd'hui qui sont à la CRIEF ne sont pas suffisamment préparés, formés pour les procédures concernant les délits économiques et financiers. Mmh. Donc, ce qui est un vrai problème, parce qu'il y a d'autres magistrats. On avait des magistrats bien formés. C'était Lincoln, comment il s'appelle, Ali Maître Mohamed Diawara. Maître Mohamed Diawara. Non, il y avait des magistrats qui étaient premièrement à la CRIEF. C'est de ça que je parle. Maître Mohamed Diawara, Mohamed Lamine Silla. Mohamed Lamine Silla. Ils ont été remplacés. Diallo, Morlaï Souma. Morlaï Souma, bien. Morlaï Souma. Donc, c'est des gens, déjà, c'était leur domaine. Mais ce sont des magistrats qu'on a enlevés au niveau de la CRIEF. On les a affectés à d'autres juridictions. Et aujourd'hui, les magistrats qui sont là-bas ne sont pas formés. Donc, il faut comprendre le cri de cœur d'Ali Touré. Au lieu de chercher à former ces magistrats, moi, je pense, parce que nous sommes dans une période transitoire, il faut plutôt faire revenir les magistrats qu'on avait enlevés à l'époque. Mmh, on ne sait pas pour quelles raisons. Au lieu de faire à des magistrats qui ne maîtrisent pas des crimes, des délits économiques et financiers. Pour le cas, Mohamed Diawara, c'est lui-même qui a demandé à quitter la CRIEF. Non, pas du tout. Mais bien sûr. Bien sûr. Pas du tout. Ok. C'est lui. Alors, qui a demandé. Est-ce que vous comprenez cette démarche du procureur Ali Touré?
Alors, l'empereur hein, des poursuites après la CRIEF, M. Ali Touré, j'ai l'impression aujourd'hui qu'il souffle le chaud et le froid. Non, c'est le jargon. Hein. Voilà, c'est lui l'empereur, en tout cas, des poursuites après la CRIEF. Donc, moi, je dis aujourd'hui qu'il souffle le chaud et le froid. Arrêtez, vous êtes dans le studio, les gars. On se calme. Allez-y, parce que tout simplement, face à ces demandes de liberté provisoire qu'on devrait accorder, n'est-ce pas, à ces personnalités en prison, notamment par la chambre de contrôle et d'instruction de la CRIEF, on a l'impression que quelque part, Ali Touré, eh bien, il nage dans de l'eau trouble. Pourquoi ? Vous savez, au niveau, quand il demande aujourd'hui cette rallonge, autrement dit, cette prolongation du délai de détention préventive au niveau de la CRIEF, ça veut dire quelque part qu'il souhaite encore que ses personnalités restent en prison, le temps peut-être pour lui de continuer à accumuler les preuves. Et c'est tout à fait normal. Oui, l'objectif, c'est la manifestation de la vérité. Oui. Mais sauf que c'est le contraire qui devrait se produire. Avant de mettre des gens en prison, il faut d'abord que vous ayez des preuves pour les mettre d'abord en prison. Mais quand vous les mettez en prison, vous continuez à chercher des preuves à gauche et à droite. Pendant ce temps, il souffre le martyr en prison. Je pense que quelque part, c'est une entorse à la procédure. C'est pourquoi Ali Touré, il voudrait quand même cette rallonge au niveau du délai de détention préventive à ce stade de procédure. De l'autre côté, quand vous prenez par exemple le délit dont on parle souvent et qui revient sans cesse, les délits qui sont des infractions en matière correctionnelle qui ne doivent pas dépasser 3 ans, ça veut dire que le délai de détention, c'est 4 mois. Quand c'est les crimes, on peut aller au-delà de 4 mois, c'est-à-dire 12 mois. Mais on n'est pas en matière de crimes, il faut le signaler. On n'est pas en matière de crimes. Je fais la précision. Alors, je dis, en matière de délit, si on est en correctionnel, c'est 3 ans. Si en tout cas l'infraction commise est de l'ordre de 3 ans, c'est 4 mois de détention. Maintenant, si c'est les crimes, nous sommes au-delà de 12 mois. Et pour le cas d'Espère, nous ne sommes pas en crime. D'accord, c'est les présumés crimes économiques. Jusqu'à preuve du contraire, on doit apporter les preuves que ces personnalités en prison sont bel et bien coupables des charges qui pèsent contre eux. Mais l'un dans l'autre, je pense qu'aujourd'hui quand même que si le procureur Ali Touré estime que à ce stade, après plus de 8 à 9 mois de détention de ces personnalités du côté de la maison centrale, il n'a pas toutes les preuves les accablant, les concernant. Le mieux, c'est de les mettre sous contrôle judiciaire. Le temps pour eux de se préparer, la défense bien évidemment, mais juste de trouver leur famille. Puisque vous le savez, la prison, ça fait très mal au cœur. 8 mois, vous êtes en détention alors que vous n'êtes pas du tout habitué à cela. Ça fait très mal au cœur. Sans compter même les activistes. Mais pourquoi faire le lien entre la contradiction, le lien avec ceux qui sont en prison. Si le procureur Ali Touré s'est prononcé, il s'est prononcé sur le cas d'espèce de personnalité en prison. Vous ne pouvez pas faire le contraire, Diaraï. Ah, mais écoutez. Il s'est prononcé par rapport à qui ? Écoutez, mais ce sont ses personnalités en prison, Diaraï. On parle de ses personnalités. Quel lien ? Il demande le délai de prolongement par rapport à qui ? Oui. Selon vous. Mais s'il demande. Selon vous, par rapport à qui ? Il n'a pas l'air de personne. Ok, je vais te mettre à l'aise. Non, c'est à moi ou bien à toi ? Je vais te mettre à l'aise. C'est par rapport à qui il demande le délai de prolongement ? Ça peut être pour dissuader ceux qui sont. Non, mais bien sûr. Ça peut être une mesure pour dissuader. C'est la face visible de l'iceberg. Mais bien sûr, il faut mettre tout ce qui est possible. Ali Touré demande le prolongement. Je finis. Ali Touré demande le délai de prolongement ou en tout cas la rallonge vis-à-vis des personnalités en prison, la Diarra. Ou des personnes qui ont des velléités de commettre des crimes économiques. C'est je ne parle aussi. Pas de ces personnes. Mais bien sûr, restons dans mais le bien sujet. Fais-nous revenir dans la cour. Je dis encore une fois, Ali Touré fait cas aux personnalités actuellement en prison. Kassori, Oyebi Yavogui, Mohamed Diané et consorts. Nous parlons de ceci-là. D'accord ? Alors, si aujourd'hui, il veut coûte que coûte que le délai de prolongement soit. Que le délai de relance soit prolongé. Mais je me dis quelque part que Ali Touré, il a fort à faire. Hein. Ça veut dire qu'à date, il ne dispose pas de toutes les preuves qui accablent ses personnalités en prison. Diarra, on a quand même l'impression qu'on veut les maintenir en prison, Diarra. Soyez d'accord. Soyez d'accord, Diarra, avec nous. On veut les maintenir en prison. C'est Diarra qui a la parole. Je vais terminer, pardon. Diarra avait parlé du départ du juge Mohamed Diawara. Je peux la comprendre. Vous savez, Mohamed Diawara, c'est un magistrat intègre.
N'oubliez pas qu'au Bénin, il y a un magistrat qui a fui. Il y a un magistrat qui a fui parce qu'il recevait des ordres au niveau de la CRIET. La CRIET qui est là-bas, la Cour des répressions des infractions économiques et du terrorisme. Il a fui le pays. C'est arrivé à l'étranger. Il a dénoncé qu'il recevait des ordres. Donc, si Mohamed Diawara ne se sentait pas dans son indépendance au niveau de la CRIET, c'est tout à fait compréhensible qu'il démissionne. Mais il faut comprendre que ce sont eux qui étaient compétents, qui avaient cette matière-là. C'est leur domaine, en fait. Donc, il va falloir qu'on cherche des magistrats qui sont dans leur domaine. Parce qu'il y a la spécialisation aussi au niveau des magistrats. Vous ne pouvez pas traiter, connaître de toutes les questions. Il faut se spécialiser pour être en conformité avec la loi. Diaray, tout n'est pas sain à la CRIEF. Soyez d'accord avec nous, Diaray. C'est pas à moi de dire ça. Vous n'allez pas quand même écraser votre piment dans ma bouche. Parce que votre bouche n'est pas un mortier. Exactement. Pas du tout. Pas du tout. Et je ne prends pas assez de doses de piment dans la bouche. Mais ce que je sais, si toutefois Ali Touré a des velléités, comme le disent mes collègues ici, par rapport à la détention des anciens dignitaires, moi je dirais également que peut-être c'est pour dissuader ceux qui ont des velléités pour commettre des crimes économiques dans ce pays. Vous savez quand même que les régimes qui se sont succédés, on a vu l'opposition se mettre sur leur dos, dénoncer des crimes économiques. Cette saignée financière. Cette saignée financière qui, il faut le dire, dans les temps, n'avait pas du tout été prise en compte, n'avait pas du tout bénéficié de l'attention des autorités. Et aujourd'hui, le CNRD a quand même mis en place la CRIEF. C'est vrai, même s'il y a des manquements, mais je pense qu'il ne faut pas toujours voir le mauvais côté de la chose. Je pense que s'il y a des manquements, il faut les corriger. Mais après, ça ne veut pas justement dire qu'il veut tout simplement garder les anciens dignitaires en prison. Je pense que ça pourrait être une mesure dissuasive. Yaya et Lincoln, pour terminer en 3 minutes. Vous partagez les 3 minutes. Hein? Oui, bon, moi, ce ne serait pas long. Je pense que M. Ali Touré, aujourd'hui, est entre 3 feux. Alors, le premier feu, c'est le CNRD, voilà, le pouvoir qu'il a nommé là, à qui il doit des comptes. Le deuxième feu, c'est l'opinion publique, la pression de l'opinion, la pression médiatique. Et le troisième feu, c'est la loi. Le respect de la loi. C'est très clair. Donc, comment aujourd'hui, en tout cas, faire en sorte que ces actes puissent rester dans le cadre légal, comment satisfaire celui qui l'a nommé, à qui il se sentirait d'une certaine manière redevable, comment également résister face à la pression de l'opinion, à la pression médiatique. Donc, voilà aujourd'hui, comme l'a dit Bouy, il est dans des autres troubles. Voilà, c'est très compliqué pour lui. Donc, c'est difficile d'être dans sa position. Oui, je ne souhaiterais pas être à sa place à ce moment-là, parce que c'est compliqué. Mais je crois quand même le meilleur allié devrait rester la loi. Donc, il doit avoir comme allié, pendant ces moments-là, la loi, mais aussi l'éthique, sa moralité pour agir. S'il ne se sent pas indépendant, s'il n'a pas les coulées franches, c'est à lui de prendre ses responsabilités. Parce qu'il ne peut pas faire des acrobaties ou bien procéder par des manières, extrajudiciaires ou extra-légales pour faire des arrangements, parce que ça va le suivre. Donc il ne peut pas mettre les autres en prison. Et puis, imaginez des acrobaties ou je ne sais pas quoi, des arrangements pour pouvoir les maintenir au-delà du cadre légal. Même Lincoln n'est plus d'accord avec son ami. Hein. Je dis ce qui est juste, ce qui se passe à l'ère d'un règlement de compte. Franchement, je ne veux pas comprendre que Diaray dise que ce qui se passe si on demande la détention prolongée, c'est pour dissuader les éventuels autres candidats lorsqu'on à la prédation économique. Lorsqu'on sait qu'on va faire plus de 12 mois en détention préventive. Mais c'est illégal. Oui, lorsqu'on le sait, on fait les choses dans les règles de l'art, dans les normes. Je suis très critique, mais je vais m'adosser pratiquement au droit, à la loi. C'est très intéressant. Mais ceux qui sont... Mais nous parlons des textes de loi, nous ne parlons pas de la Bible ni du Coran. Non, mais si. C'est cela, en fait. Si. Mais quand vous pensez c'est ça la grande différence. Il a émis un souhait, il a proposé. Yara, je peux parler. Encore une fois. Je peux parler, Yara. Mais allez-y. Si vous estimez que en prolongeant la détention des uns et des autres en prison, ça dissuade d'autres qui seraient tentés, en tout cas, d'être dans la même aventure. Moi, je me dis que c'est purement faux. Il faut les juger. On arrête les gens. Khalil a dit quelque part, la flagrance, ça veut dire qu'il y a des éléments concordants ou des éléments concrets pour des indices précis. Pour ceux pourquoi ces messieurs sont en prison.
On a passé 8 mois, ils sont là. Rappelez-vous que parmi ces messieurs, il y a beaucoup qui sont malades. Des maladies qui ne peuvent pas être traitées en Guinée. Est-ce qu'on veut donner la mort aux Guinéens? Est-ce que c'est un mort qu'on peut juger ou c'est un vivant qu'on peut juger? Tout ce qu'on reproche à ces messieurs, on ne souhaite pas. Si un malheur, vous avez vu le cas de Lucénie, aujourd'hui on parle de lui, il n'y a plus de jugement parce qu'il n'est plus là. Mais on veut juger des cadavres ou des vivants. Ceux qui sont là, ils ne sont pas encore coupables. Nous voulons tous qu'il y ait reddition de compte. Mais on ne peut pas avouer aux gémonies ceux-là qui sont en prison parce qu'ils sont accusés. Donnons-leur la chance de s'expliquer. La charge de la preuve peut encomber à l'accusateur, mais aussi à l'accusé en termes de crise, d'une telle poursuite. Mais qu'on dise que M. Kassori, tu as 1000 milliards dans ton compte, comment tu l'as eu? Il peut se justifier. On n'est pas en train de demander d'alliance aux autorités. Nous voudrions qu'il y ait un procès juste et équitable pour demander à ces messieurs, aujourd'hui, ce qu'on leur reproche. Ils peuvent s'expliquer. Ils n'ont jamais demandé la clémence de Paul ou de Pierre. Tout ce qu'ils revendiquent, que ce soit eux ou les autres, les Foniquais et autres, ils veulent qu'on mette en place une justice pour qu'ils puissent te défendre. Parce qu'aujourd'hui, c'est un discrédit qui est jeté sur eux. Ils sont accusés. Pour l'opinion, ils sont coupables. Même si on veut que tout le monde s'explique, mais qu'on sache qui a fait quoi. Cette dissension, elle est arbitraire, elle est prolongée. Ça a l'air d'un règlement de compte. Le parquet est dans son rôle. Jusqu'à présent, il est dans son rôle. Mais il y a des juges qui doivent quand même se démarquer. Ils doivent être indépendants pour dire le droit. La Cour suprême est dans ça et les autres également. Ali Touré peut interjeter appel. Il est dans son rôle. Mais c'est au juge de dire le droit. Est-ce qu'il est normal aujourd'hui de prendre des Guinéens, les foutre en Niouf pendant plus de 9 mois sans jugement et que des juges n'arrivent pas à décider? C'est clair, ils ont bien droit à un procès. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, Maître Sidi Kibérité, que nous n'avons pas pu avoir l'un des avocats de l'ancien Premier ministre Kassori Fofana. Le supplément continue. Aiguillonné par la nécessité d'éclairer une opinion publique de plus en plus exigeante, les journalistes de FIM FM sont constamment sur la brèche, dotés d'un flair de félin et d'une vigilance sourcilleuse à l'affût de la moindre boulette des dirigeants. Chez FIM FM, on ne baisse pas la garde. FIM FM. FIM FM, le supplément du débat hot, des analyses pointues, de l'information triangulée. Le supplément, c'est aussi des enquêtes fouillées, des interviews choc. FIM FM, le supplément, votre supplément d'âme et de débat tout court. FIM FM, le supplément. Le supplément Art Talk, l'interview choc. Avec notre invité, Pépé Francis Sahaba, président donc de l'IGDD et également président de la commission politique de l'ANAD. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Monsieur Haba. Bonjour. Bienvenue dans le supplément. On commence avec vous, Lincoln, pour la première question. Alors, Monsieur Haba, l'actualité, c'est ce jour, Monsieur Abdourahmane Nassano qui est poursuivi pour participation délictueuse à une réunion. Et on a parlé également du cas de Maferenya, où un responsable d'association a reçu la convocation de la gendarmerie parce que le sous-préfet estime que les réunions politiques sont interdites, même les réunions qui se tiennent dans les concessions. Votre réaction? Alors, je pense qu'aujourd'hui, le constat est clair et même alarmant. Le CNRD, depuis qu'ils ont pris le pouvoir, ils ont élaboré plusieurs stratégies pour se maintenir ce pouvoir au détriment, n'est-ce pas, du peuple de Guinée et pour y rester aussi longtemps que possible. Donc, toutes les voix discordantes, toute personne qui, n'est-ce pas, se met à critiquer ou à faire des réunions hein, pour essayer, n'est-ce pas, de tout faire pour que les populations à la base comprennent que l'action du CNRD n'est pas en leur faveur, ils font tout pour, n'est-ce pas, le convoquer la personne, le mettre au Niouf, ou alors en tout cas l'empêcher de parler. Je pense que c'est la première stratégie. C'est pourquoi tous les leaders d'opinion, tous les leaders politiques, soit certains sont aujourd'hui en prison sans preuve, d'autres sont mis sous contrôle judiciaire. Alors, il y a aussi l'instrumentalisation, n'est-ce pas, des forces de défense et de sécurité pour semer la terreur, la peur. Je pense que c'est tout ça. Sinon, M. Abassano, dont vous parlez, dont vous faites allusion, c'est quand même quelqu'un qui est un pro, n'est-ce pas, démocratie convaincu.
quelqu'un qui a participé à l'émancipation de la démocratie, au développement socio-politique de notre pays. S'il ne peut pas recevoir de médaille d'honneur, je pense qu'on devrait tout simplement lui coller la paix pour qu'il puisse en vivre avec sa famille. Mais convoquer Abdramane Fano, je pense que ça répond tout simplement à cette stratégie macabre-là pour essayer, n'est-ce pas, d'éloigner toutes les voix discordantes. Alors, maître, aujourd'hui, ces réunions... C'est pas maître, hein? on est avec Monsieur le procès. Abba. Monsieur Francis Abba, homme politique, voilà, leader politique. Alors, dites-nous, est-ce que le fait qu'aujourd'hui, le CNRD, en tout cas, où la justice s'en prend à des Guinéens qui tiennent des réunions ordinaires, hein, entre guillemets, est-ce que cela représente aujourd'hui, disons, un niveau de paroxysme par rapport à l'état de droit dans notre pays, aux libertés fondamentales dans notre pays? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si M. Abdramane Sano écope d'une condamnation, je dis bien si, je ne suis pas le juge pour en décider, s'il écope d'une condamnation, quelle sera votre ligne de conduite? Alors, je vais commencer par la deuxième question. Alors, M. Abdramane Sano, absolument, c'est un leader d'opinion, il est connu. Il a dirigé le FNDC que nous avons tous créé ensemble. Si il arrivait à être condamné et que cette condamnation ne soit pas, n'est-ce pas, fondée sur des preuves palpables, naturellement, nous allons continuer à dénoncer. Et je sais qu'il est Abdramane Sano est affilié, n'est-ce pas, à plusieurs organisations de défense de droits humains. Je pense que c'est s'il est condamné, n'est-ce pas, à tort. Et en ce moment-là, c'est les autorités qui auront en tout cas tiré notre démocratie vers le bas. À tout le monde. On a bien l'impression que vous avez les mains liées. Vous n'avez pas de marge de manœuvre, que ce soit les politiques ou encore les acteurs de la société civile. Ben, c'est le CNRD qui est en train, n'est-ce pas, de tout faire pour ne pas, malheureusement, que la démocratie vive, hein, que notre démocratie vive, que les journalistes puissent faire leur travail normalement. Mais en ce moment-là, ils sont en train de mettre notre pays en retard. Parce que si les investisseurs comprennent que dans notre pays, il n'y a pas de droit de l'homme, que dans notre pays, n'est-ce pas, force n'est pas à la loi, en ce moment-là, tout le monde va vivre notre pays. Et c'est nos populations, n'est-ce pas, qui vont continuer à végéter, on va dire, dans la misère. Nous n'allons pas profiter, n'est-ce pas, de tout le potentiel d'attraction de capitaux que la Guinée peut faire. Je pense que c'est malheureux. Nous devrions tout faire pour ne pas en arriver là. Même si c'est ce que le CNRD est en train de faire aujourd'hui. C'est la pratique qui est courante. Maintenant, la première question, je ne sais pas si, monsieur, je ne sais pas qu'il parlait de quoi exactement. Mais on oui, va moi je vais poser une autre là. Alors, allez-y, on le laisse continuer. Oui, c'est pour emboucher, en tout cas... Les libertés publiques, bien sûr. C'est la même trompette que Arisatou. Alors, face à la situation des droits de l'homme et à la démocratie dans notre pays, on a comme l'impression que les forces politiques des partis comme l'UFDG, des coalitions comme l'ANAD, l'indignation n'est pas à la hauteur de la situation aujourd'hui. Est-ce que vous avez peur ou bien vous avez démissionné face aux musulmans? Vous avez tous peur, on dirait. Non, nous n'avons pas peur. Je pense que cette lutte-là, nous la menons depuis plusieurs dizaines d'années. Nous la faisons pour le peuple des Guinéens, nous la faisons pour notre pays. Et c'est une lutte noble. La démocratie, c'est le pilier du développement socio-économique. Maintenant, si nous avons aujourd'hui au pouvoir des gens qui ne veulent pas qu'il y ait de critiques, qui ne voudraient pas qu'il y ait des opinions différentes, qui voudraient une sorte de monarchie, alors, c'est à nous de continuer à nous organiser. Mais je pense que la marge de manœuvre, elle n'est pas très grande. Mais c'est à nous de nous mobiliser, de continuer à dénoncer et de trouver d'autres stratégies. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus sur le front diplomatique. Mais nous sommes en train de nous organiser. C'est que dans les semaines, les mois à venir, que nous allons proposer de nos stratégies de lutte. Allez-y, Khalid. Vous parlez des stratégies. Quelle est la stratégie que vous proposez aujourd'hui pour finir avec toutes ces violations des droits de l'homme dans notre pays? Non, pour le moment aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, c'est de dénoncer. Je pense que vous, les journalistes, vous êtes dans le même sens. Nous sommes aussi en train de nous sommes aussi sur le front diplomatique. Nous faisons énormément de rencontres avec nos partenaires en technique et financiers. Il y a aussi des leaders qui sont à l'étranger, qui continuent, n'est-ce pas, dans ce sens-là.
Je pense que le moment, c'est ce que nous faisons. Et nous continuons aussi à sensibiliser nos fédérations, n'est-ce pas, nos sections, nos comités de base à la base. Hein, nous continuons en tout cas à nous préparer. Maintenant, on verra. De toute façon, savons-nous lutter, nous, puisque nous savons que c'est le pouvoir que nous voulons. Et donc, tu ne peux pas avoir le pouvoir en ayant peur. Et donc, il faut que cette mobilisation continue. Mais on a l'impression que sans vos leaders qui sont à l'étranger, vous êtes encore plus vulnérables. Écoutez, il est vrai quand même qu'un leader comme Elage, Mamadou Sidou Dalein Diallo, est difficilement remplaçable. Son absence dans le pays, c'est vrai, hein, ça crée un peu de problèmes de mobilisation et d'organisation. Mais je pense que nous avons commencé des réunions en ligne. Je pense qu'ils permettront de régler tout ça. Hein, qu'ils soient absents ou pas, je pense qu'ils vont tout faire hein, pour que hein, la démocratie, n'est-ce pas, puisse s'émanciper dans notre pays. Puisque de toutes les façons, s'ils n'y arrivent pas, ils auront aussi échoué. Et je pense qu'ils sont engagés à ne pas échouer. Ils sont engagés à ce que notre pays sorte de l'ornière. Alors, M. Abba, votre président, le président de l'ANAD, Sélou Dalein Diallo, appelle d'ailleurs à la mobilisation. Comment vous accueillez cet appel de Sélou Dalein Diallo? Est-ce que vous allez vous allier à cette demande? Ah ben, nous sommes déjà mobilisés. Nous sommes dans cette lutte il y a longtemps. C'est pourquoi nous continuons nos réunions en politique, nous continuons les rencontres avec nos comités de base, nos sections, nos fédérations. Maintenant, la stratégie pour le moment, c'est de dénoncer, c'est d'informer les populations, n'est-ce pas, c'est de rencontrer nos partenaires et de tirer la sonnette d'alarme pour ne pas qu'un jour, que vous les journalistes, il y a certains qui disent « Ah, eux, c'est ces gens-là, eux, ils aiment la violence, ils aiment ceci. » Nous n'aimons pas la violence. C'est pourquoi, pour le moment, ce que nous voulons, c'est qu'ils comprennent que notre pays appartient à tout le monde et que les violations de droits humains ne profitent pas, n'est-ce pas, même au CNRD. Malheureusement, ça termine leur image. Donc, c'est à tout le monde de comprendre que notre pays se met en retard, malheureusement, tout seul, par rapport au Sénégal, par rapport à la Côte d'Ivoire. Oui, vous n'aimez pas la violence, vous n'aimez pas la violence, mais après vous appelez à des manifestations. Qu'est-ce que vous faites pour justement éduquer ceux qui sortent pour manifester? Parce que c'est là le gros du problème. Depuis que le CNRD a pris le pouvoir, je pense que nous les avons soutenus. Hein, c'est quand ils ont commencé à s'éloigner, n'est-ce pas, des promesses tenues, des promesses de prise de pouvoir, que nous avons commencé à dénoncer. Nous n'avons jamais appelé à des manifestations. Mais vous avez soutenu des manifestations quand même. Nous n'avons jamais appelé à des manifestations. Donc pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Pourquoi j'ai dit nous sommes en train de nous organiser, de nous mobiliser. Et si, n'est-ce pas, le moment arrive, et si ça arrive que des gens acceptent qu'on naturellement que nous puissions manifester, pourquoi pas. Mais pour le moment, nous ne sommes pas arrivés là. Hein, notre stratégie, pour le moment, c'est de dénoncer. Hein, c'est le front diplomatique. Nous avons rencontré beaucoup d'associations. Pour le moment, c'est ce que nous faisons et nous pensons que ça va certainement emporter fruit. D'accord. Alors, nous serons amenés à passer à la vitesse supérieure. Monsieur Abba, en même temps, on a l'impression, en parlant de la transition, que vous avez définitivement raté le train. Non, nous n'avons pas raté le train. Hein, le CNR, la transition est en cours et sans vous. Absolument. Oui, on ne peut pas dire sans nous. De toutes les façons, c'est eux qui pour ont l'instant, pris le c'est sans vous. Qui... Soyez d'accord avec nous. Vous n'êtes pas allé au dialogue. Oui. Vous n'avez pas fait de proposition et le calendrier devrait entrer en vigueur dès janvier. Le calendrier des élections. Nous avons fait plusieurs propositions hein, déjà. Nous avions adressé un mémorandum au CNRD. Dès le départ, quand le médiateur est venu, nous avions aussi adressé un mémorandum, n'est-ce pas, au médiateur. C'est le CNRD qui ne veut pas, en tout cas, qui est complètement entêté, qui dit que nous, c'est cette couleur-là blanche ou pas. Donc, quel que soit le dialogue qu'ils organisent, c'était une sorte de séminaire.
les gens sont allés bavarder, mais à la fin de la journée, les conclusions qu'ils ont adoptées, c'est les mêmes conclusions que le CNRD avait adoptées dans son livre de 10 points pour la transition. Je pense que ce qui est important, de toutes les façons, c'est que qu'ils comprennent que sans, en tout cas, les partis politiques majeurs, sans les coalitions majeures, sans les acteurs sociaux majeurs, nous ne pouvons pas aller sérieusement, n'est-ce pas, dans la paix, vers le retour à l'ordre constitutionnel. On reste sur le dialogue, Yaya. C'est la vérité. Oui, Monsieur Pépé, alors d'où viendra ce miracle que vous attendez pour réintégrer le dialogue ou bien pour, en tout cas, changer le cours des choses? Parce que, comme l'a dit Harissatou, la transition est en cours, le chronogramme, le train est déjà parti. Alors, comment allez-vous faire? Est-ce que vous comptez sur la communauté internationale ou bien sur les rapports de forces internes? Il y a naturellement la communauté internationale avec laquelle nous parlons, mais nous ne pouvons pas que compter sur ça, parce que la communauté internationale ne peut vous prendre au sérieux ou vous appuyer que quand il y a un véritable rapport de force interne. Donc nous attendons le meilleur moment. Nous sommes en train de nous organiser. On ne peut pas aussi dire il faut faire ceci ou cela si vous n'êtes pas prêt. C'est pourquoi il faut que nous apprêtons. C'est ce que nous sommes en train de faire. Allez-y, Khalil. Oui, maître, maintenant, il y a des... Pas maître. Bon, j'ai l'impression qu'on le confond à Maître Pépé Antoine Lamar. Vous m'avez prêté l'expression. Je vais dire maître, comment je vais dire ça? Pépé Francis Abba. Voilà, oui. Les leaders maintenant sont à l'extérieur, ils sont contraints à l'exil. Est-ce que vous ne craignez pas que vous qui êtes là aujourd'hui, surtout vous qui avez parlé ici ce matin, qu'on vous délivre tout de suite un mandat d'arrêt sans même vous... N'exagérons pas, sans même vous citer à comparaître. Ils ont déjà peur, il ne faut pas encore davantage les frayer. Non, est-ce qu'il est prêt à répondre à des convocations? Non, nous sommes conscients de menaces absolument qui pèsent sur nous, leaders d'opinion, sur les leaders politiques qui prennent la parole. Nous avons déjà été convoqués. Je suis personnellement sous contrôle judiciaire. Et ben donc je ne s'il y a une nouvelle convocation, naturellement nous répondons. Mais encore une fois, ce que nous souhaitons, c'est que notre pays soit en havre de paix, c'est que notre pays, n'est-ce pas, en travail, n'est-ce pas, vers l'émancipation de la démocratie et surtout vers l'état de droit. Alors, si il suffit de parler, il suffit de critiquer pour avoir une convocation, c'est malheureux pour notre pays et même malheureux pour ceux qui nous dirigent. Je pense que ils ne vont pas en arriver là. Je pense qu'il faut qu'on oublie. Il faut que les acteurs sociopolitiques comprennent qu'il faut qu'on continue, n'est-ce pas, à critiquer, parce que sans critique, sans contradiction, il n'y a pas possibilité, n'est-ce pas, des acteurs qui sont divisés. Vous êtes divisés. Les acteurs politiques et sociaux sont divisés. C'est normal. C'est tout à fait normal. Nous ne pouvons pas avoir des points de vue identiques, n'est-ce pas. C'est cette contradiction-là qui fait la beauté de la démocratie. Seulement, il ne faudrait pas que le CNRD pense que c'est ceux qui les soutiennent, qui sont en train, n'est-ce pas, de les aider. Il y a nous qui critiquons, qui proposons, n'est-ce pas, d'autres alternatives, je pense que nous sommes sur la meilleure ligne. Parce que s'ils intimident tout le monde, ils baillonnent la démocratie, ils traumatisent toutes les populations. Mais nous tombons dans une dictature sanglante. Et malheureusement, une dictature, la fin, on connaît. Donc, non, je pense qu'on ne devrait pas, on devrait pas avoir peur pour critiquer. Monsieur Abba, on a l'impression aujourd'hui que vous fondez votre espoir sur une possible délocalisation du cadre de dialogue ailleurs. Et si toutefois cela n'arrivait pas, qu'allez-vous faire? Ben, alors, même si, encore une fois, le dialogue n'est pas délocalisé, mais si le CNRD accepte, n'est-ce pas, d'ouvrir sa porte, je veux dire, aux acteurs politiques et sociaux, n'est-ce pas, qui ne regardent pas dans la même direction. La porte, elle est ouverte pour tout le monde, monsieur Abba. Non, ils font semblant d'ouvrir cette porte-là. L'exemple palpable, c'est le dernier dialogue.
hein, c'est ce séminaire qu'ils ont. Vous avez vu les conclusions. Les conclusions ressemblent comme deux gouttes d'eau, n'est-ce pas, à la philosophie du CNRD. Il n'y a aucune amélioration. Il n'y a pas de vision nouvelle. Alors que nous avons fait plusieurs propositions pratiques, malheureusement, qui ne sont pas prises en compte. Je pense en ce moment-là, ils pensent faire du mal, hein, on va dire, ou alors ils pensent écarter, hein, certains leaders, ou alors ceux qui ont des voix contraires. Mais malheureusement, ils sont en train de se tromper en lourdement. Parce que, encore une fois, on ne peut pas aller, hein, de façon sereine, de façon étant la paix, hein, vers le retour à l'ordre constitutionnel, sans, n'est-ce pas, les coalitions majeures, sans les fêtières de la société civile majeure. On ne peut pas tenir compte que, n'est-ce pas, des acteurs qui représentent que 5, 6, 10% de l'électorat de notre pays. C'est pas possible. Je pense qu'ils sont en train de se tromper. Lincoln, pour terminer. Pour terminer, on a commencé par les droits de l'homme. Votre vraie lecture de la situation d'aujourd'hui. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'humanité dans notre pays. Nous avons regretté sous le président Alpha Condé les tueries, on va dire, barbares, les violations des droits de l'homme par-ci par-là. Mais je pense que nous sommes retombés dans la même situation. On pourrait même dire pire, parce que regardez la façon dont on met les Guinéens sous la belle étoile, partout en Guinée. On peut encore se rattraper, c'est possible? Absolument. Le CNRD, il suffit de regarder la loi. Il suffit, n'est-ce pas, de considérer, n'est-ce pas, des Guinéens comme leurs frères, hein, pour qu'ils comprennent qu'on ne devrait pas, n'est-ce pas, mettre quelqu'un dehors en 48 heures, en deux mois, en un mois, hein, là où les gens ont vécu. Je pense. Il y a un gros problème. Ils ont peut-être la bonne volonté. Je pense que mais la manière n'existe pas. Il faut qu'ils repensent complètement l'intérêt de gouvernance, hein, pour que naturellement notre pays, hein, puisse compter, hein, parmi les pays de bonne attraction. Mais s'ils continuent dans ce sens, je pense que ça pourrait un jour tourner au vinaigre. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous souhaitons. On vous a largement compris. Grand merci à vous, Pépé Francis Abba. Je rappelle que vous êtes le président de l'IGDD et président de la commission politique de l'ANAD. Ok, merci beaucoup à vous et merci à vos millions de visiteurs. Grand merci donc à tous, à l'équipe technique. Une information. Sila Kerno Hassan Gaouné. Une information rapidement. Assisté de Saramba Salmatou Diarouba et Fatma Tabari. Merci également à nos chroniqueurs. Très rapidement pour... L'information, on parlait de M. Morlaï Savané du côté de Maferenga qui a été convoqué. On apprend qu'il est à la gendarmerie et qu'il a été mis au niveau de la garde à vue. Donc par la gendarmerie et... Oui. Gendarmerie sous la convocation du sous-préfet. Alors, c'est grave, hein? Tout puissant sous-préfet. Oui, mais on va donc suivre cette affaire avec Ibrahim Massouri et Lincoln Souma. L'émission revient demain si tout va bien.